Bonjour messieurs, vous m'entendez? Ça va bien? On m'a dit c'est Maximilien Lullard qui présente, donc j'ai mis ma plus belle casquette, j'ai mis mon plus beau t-shirt juste pour toi. Eh bien, écoutez, je suis là, tout va bien, je suis prêt. Pas de langue de bois, c'est quoi ça? La langue de quoi? Je ne connais pas. Salut, ça va bien. Ouais, j'ai la pression. Plus il est en mode la voix, tu sais, il est un peu à nous englober tous là, il va nous mettre des tacles à tout à chaque fois, ça va être beau ça. Ouais, je sais pas, il a pas été super pour tout le monde le week-end. Ah, trop bien, on a pris 25 à domicile, c'était trop bien. Franchement, j'ai kiffé, j'ai passé un super dimanche, un super lundi. Non, c'est ouais, très compliqué, très très compliqué. On a bien lâché dans le quatrième en plus, voilà, ouais, c'était pas notre match. Et puis en plus, Bourque, ben, waouh. Ouais. Bah c'est ouais, c'est quatre équipes. Moi, ouais, il y a quatre places pour moi, il y a quatre places en playoff. Il y en a quatre, il y a sur 14 équipes, tu en as quatre qui vont choper les quatre dernières places des playoffs et les quatre premières elles sont déjà acquises pour moi. Enfin, voilà, il y a pas photo. Il y a pas photo entre bon Monaco, Paris, bien sûr. Bourg, après qui est devant, je crois c'est Bourg qui a gagné contre Paris hein, le match d'aller. Voilà, et l'Asvel qui. Ouais, et puis l'Asvel va être. Bah, c'est l'Asvel, quoi, va être chiante jusqu'au bout. Donc, Et voilà. Nanterre, Après. peut-être. Nanterre, t'oublies pas Nanterre, non? Parce que Nanterre, ils ont le même bilan que Paris, je crois. Ben, je l'ai. Quatre premiers. Là, vraiment, je vois quatre qui se détachent. Après, le reste. Ben, Nanterre, depuis le début, franchement, depuis le début de l'année, je me dis, ouais, c'est pas. Et en fait, ils sont là. Pour moi, il va y avoir un ascenseur entre. Pour moi, Dijon va faire top 8. Il joue vraiment bien. Et le retour de Le Niam fait que ben Le Niam, Alston, Alinghet, du côté, tout ça, ils se connaissent. On l'a vu hein, la semaine dernière, on a perdu chez nous. Ils jouent vraiment bien, vraiment très bien, ensemble. Et voilà, je pense que ça va remonter. Et à l'inverse, voilà, il y a Nancy, je ne sais pas trop ce que ça va donner. Bon, voilà, on va voir. Ça va être compliqué jusqu'au bout de toute façon. Ouais, ah, j'aimerais bien être troisième. Ouais. Ouais, après, montée de Pro B, on n'est pas vraiment des vrais promus, hein, entre parenthèses, tant dans le budget que dans l'ambition. Enfin, l'ambition. Le club en lui-même, hein, le club est resté, je ne sais pas combien d'années d'affilée en première ligue et tout. Ben, disons qu'elle est. C'est ce que je dis là, tu vois, on est un peu dans le dur parce qu'on a un mois de janvier difficile. On reçoit Dijon, ils avaient deux gars en moins, on s'est dit qu'il faut le prendre à tout prix, bon, on le prend pas. Derrière, tu reçois Bourg et tu vas à Monaco. Donc là, on va à Monaco ce week-end, autant dire que ça va être compliqué. Ouais, ça va être compliqué. Après, Le Mans a fait un bon match contre eux et Le Mans, c'est plus notre championnat, tu vois, on sait jamais.
Mais non, moi j'essaye. Pour moi, je vois du positif. T'es obligé de toute façon. Faut vite, vite engranger des victoires. Et j'ai envie de dire que c'est pas trop mal. T'as 8 victoires à la trêve. T'es pas passé loin de la Leaders Cup. Maintenant, c'est. Voilà, après Monaco, on reçoit Gravelines et on va au Mans. C'est deux matchs qui seront importants, quoi. Ouais, bien sûr. Donc non, Bon. on n'est pas mécontent. Après, on peut faire mieux. Bon, bah, tant mieux. Tant mieux. On va voir. On va suivre. Hein, de toute façon, qu'est-ce que vous avez pensé de la, j'ai envie de dire, la belle histoire du week-end avec Gravelines qui jouait du côté de Calais, qui s'est imposé face à Nanterre justement sur un panier au buzzer. C'est incroyable quand même. De Chris Babb. De Chris Babb en plus, effectivement. Une victoire 81-79. C'est incroyable, Fred. Quel scénario, quoi. Tout simple, mais de toute façon, tu sais que quand je crois que c'est Johan Bégarin qui met le deuxième lancer franc pour le Ouais. rater à la fin du match, tu te dis, ils ont un ballon, c'est impossible qu'ils le ratent. C'est impossible qu'ils ne mettent pas le tir. Voilà. C'est trop bien écrit. C'est écrit, c'est comme ça. Voilà, Jean-Christophe Prat, il a dit après le match qu'il croit à ces forces-là, l'entraîneur de Gravelines. Et tu fais, t'as beau ne pas y croire, tu fais là, juste avant l'action, tu fais, c'est bon, mettez le panier, il va rentrer, c'est leur. C'est maintenant. Bah, il fallait. Et puis, en fait, je pense que tout le monde, dans le monde du basket a pris un petit peu, enfin, a pris, ouais, l'histoire du BCM à cœur, et tout le monde a envie que le BCM, soit la belle histoire de cette fin de championnat. Donc là, voilà, le shoot au buzzer, je pense qu'en fait, tous les fans de Betclic Elite étaient contents que ce shoot rentre. Ouais, moi j'ai annoncé qu'ils allaient se maintenir, Gravelines. Ok. Ouais, je sais pas pourquoi. J'ai peut-être pas annoncé Je ça, suis moi, sûr mais... qu'ils vont se maintenir. À l'inverse, je vois bien Limoges descendre. Ça, on en reparle dans quelques minutes, On va en reparler dans quelques minutes, exactement. Mais Mais tu cherches les problèmes, tu non, cherches je les cherche pas les problèmes. problèmes. Je Quand cherche tu cherches à les problèmes, juste tu à cherches les problèmes. soulever les, voilà, les vrais, enfin, on va dire les vrais sujets. Non, non, on peut enchaîner aussi. Enfin, il parlait un petit peu de donc de ouais Monaco. Donc on a dit Bourg-en-Bresse, c'est 7 victoires de suite. Monaco, c'est 9 victoires de suite. Ils n'ont toujours pas perdu à la maison, même s'ils se sont fait un petit peu peur, Ali, face au Mans quand même. Ouais, ils se sont fait un petit peu peur face au Mans. Alors forcément, hein, Jordan Lloyd n'a pas joué, l'élément stabilisateur, mais aussi Mathieu Strazel aussi qui était blessé. On sait que Mathieu Strazel, celui qui fait tourner la boutique hein, en Betclic Elite. Donc du coup, bah, il y avait vraiment en créateur que Mike James et Eli Okobo. Après le Mans, ils ont fait un gros gros match. Hein. Ils ont fait un gros gros match sur un Ouais. gros bon offensif où. Bah, ce qui est marrant, c'est qu'ils se sont fait défoncer au rebond offensif le Mans pendant pratiquement tout le match. Mais à un moment donné, bah, ils ont rééquilibré le truc. Et tu as William Snaras qui a fait un chantier de fou dans la raquette. Et le Mans a fait le match parfait. Ils ont défendu parce que jusqu'à maintenant, le problème du Mans, c'était la défense. Ils sont plutôt inconstants à ce niveau-là. Ils ont fait un gros match défensif. Mais bon, finalement, après, à l'expérience, au talent, hein, finalement, Monaco s'est imposé avec Eddie Okobo qui a fait un N1 à la fin. Et une interception de Terry Tarpey qui a fait Voilà. un bien mauvais tour à son équipe, qui a mis 15 Tu points. Donc, m'étonnes. le Mans était pas loin. Ouais, le Mans était pas loin. L'Asvel aussi, qui a battu Boulogne-Levallois dans un, j'ai envie de dire, un triste palais des sports quand même, Marcel Cerdan, parce que pour le coup, il y avait zéro ambiance. J'ai commenté le match. C'était Tu t'attendais à l'horaire. autre chose? Alors pour être très honnête, ouais, je m'attendais quand même à autre chose parce que je trouve que l'Asvel a mis énormément de temps à se mettre dans ce match-là. Mais vraiment, hein, il leur a fallu limite toute une première mi-temps quoi pour y arriver. Donc c'était vraiment compliqué. Et ouais, non, je sais pas justement. Je voulais poser la question à Antoine. Quand Antoine, on joue face à des équipes comme qui sont dernières, avant-dernières du classement, bah, comme Gravelines et comme Boulogne-Levallois, est-ce qu'on a un peu, à un moment donné, je sais pas, la sensation de se dire que ça va le faire ou est-ce qu'on se laisse un peu endormir par le classement? Non, après c'est pour moi c'est des faux avec enfin quand tu regardes l'effectif de Levallois, ils ont de vrais joueurs, hein. Ils ont un vrai vrai effectif Ouais, carrément. et Gravelines c'est pas la même équipe depuis le changement d'entraîneur tu vois donc non surtout pas nous enfin moi je sais que nous non après Monaco c'est différent. Paris je pense pas parce que c'est pas dans l'état d'esprit c'est des machines c'est une espèce de robots Ouais, bien sûr. C'est Bah, ils viennent des tous cyborgs. d'Allemagne, hein. Ah, Ils ils sont viennent tous quasiment tous. d'Allemagne, c'est très carré, hein. Espèce de cyborg avec un coach qui est. Ouais, et voilà. Donc, d'ailleurs, Ali n'aurait pas du tout aimé jouer pour cette équipe, hein, parce que les Clairement grands, pas. ils font des pics et puis c'est tout. Il y a zéro jeu intérieur.
Ouais, On mais s'est ça rattrapé marche, dans le comme délire. quoi, suivant le système. Mais bon, bref, ça c'était. Mais après, voilà, les gros. Tu vois, nous, Bourg, ils nous ont pas du tout pris d'eau, par exemple. Et ça a été. Ouais. Ben, ça s'est vu, quoi. Bon, il y a eu une première mi-temps très compliquée. En fait, on a eu, voilà, aussi des choses où tu vois, on peut toujours parler de l'arbitrage et tout, mais ces petites équipes comme nous, comme Paris, pour revenir à ça, comme Gravelines, ben, tu es toujours. Entre petites équipes, arrive, c'est une vraie équipe. Non, mais la post Wemby Live, c'est dur, hein. La vie après Hein. Ouais, bien Wemby. sûr. Ouais, mais attends, et te rends compte, Ouh! t'as Alain Omic, t'as Théodore Oh, c'est un Marchandjer de gros nom, Théodore, c'est clair. t'as Toups, t'as Laou, t'as des joueurs. Hein, et oh, enfin, je veux Alors, dire. Théovic, il est arrivé en milieu de saison, Antoine. Il Ouais, n'est mais pas là au regarde. début. Ouais, Ils mais. ont Théodore qui a Oui, été blessé longtemps. Voilà, il y a eu beaucoup c'est vrai. de choses qui ont fait que la saison est mal partie déjà. Puis il y a eu des Ouais. tests Théo, il est fait. aussi. Il y a eu des tests avec Dibos qui n'est pas resté jusqu'à la fin de son premier enfin, ses Ah contrats. oui, c'est 5 matchs, vrai. avec, Galatasaray. qui est reparti à Galatasaray. Enfin, il y a des tests, il y a des trucs qui sont tentés. Quoi? J'ai dit quoi? Allez, ça se Quoi? moque. Il a dit Galatasaray? Galatasaray. Quoi? Tu Oh peux là pas là. dire ça, gros. En plus, on a Arda, c'est un fan turc, tu peux pas dire ça. Galatasaray! Excusez-moi, hein, je savais pas que je parlais avec un Turc. Ouais. Mais non, après c'est une équipe qui a pas. De toute façon, tu regardes toutes les équipes ont un creux dans l'année, là. Tu vois, moi, je crois que notre creux, on l'a en ce moment, tu vois, par exemple. Ouais. Paris, voilà, en fait, c'est l'équipe qui a. Regarde, Blois, ils ont perdu combien de matchs d'affilée? Nous, Ouais, on ils leur a en ont mis perdu 20, 8. 20 chez nous. Enfin, ouais, ils ont perdu. Et ils vont gagner ce match à Nancy, improbable, qu'ils doivent perdre 15 fois. C'est un championnat de fou. Et autant en haut, je pense que c'est. Je te dis, il y a 4 places de prise, ça, c'est sûr. Autant en bas, personne va être serein jusqu'au bout, quoi. C'est la bête clique, c'est la Ouais. guerre. Tu sais, il y a Ouais. plusieurs personnes qui me disaient, franchement, moi, je suis bien dans le championnat grec parce que tu fais ton Euroleague, le championnat de grec, il est éclaté, donc tu peux te reposer le week-end. Les Ouais. équipes d'Euroleague, elles ne peuvent pas se reposer en bête clique. C'est trop dur. Tu as toujours une équipe de chiens qui va essayer de te casser les bonbons. La preuve, Le Mans, alors dis pas que c'est une équipe de chiens, hein. Commencez pas à me taper sur la tête devant Le Mans. Mais genre, tu as toujours une équipe qui a le couteau entre les dents, qui veut te faire la peau et tu peux Bien jamais te sûr. reposer. Bah, C'est ça après, une les mecs, équipe. ils jouent pas pareil. Tu vois, tu vas jouer Chalon, Le Mans, tu vas jouer Saint-Quentin chez toi. T'es Monaco. Enfin, je veux dire, tu vois, intrinsèquement, tu te dis, ils mettent 25 pions au Real et ils ont failli perdre contre Le Mans. À un moment donné, Bien OK, il n'y sûr. avait pas Lloyd, il n'y avait pas. Mais il y a une espèce de décompression des Bien sûr. mecs. Puis Et c'est à pas la les fin, mêmes ils t'ont dit, joueurs ah, aussi qui jouent. ils sont pas Et loin, ça, allez, tu on peux tire. pas te Allez, on permettre tire. en bête-clic élite, cette Ouais. décompression. Alors qu'en championnat Ouais. grec, tu peux. C'est ça que Mousse, il est bien là-bas. Bah, c'est très attelé, ouais, c'est un championnat atypique, hein, de toute façon. Bon, après, Antoine, il te dit que Monaco peut le faire tranquille en championnat. Bon, ils sont venus vous en mettre une petite pilée quand même au Colisée, Monaco, en début de saison. Antoine, excuse-moi de remonter les mauvais souvenirs. Hein. J'ai pas joué, j'étais Ah malade. oui, t'es le meilleur C'est pour joueur. ça, voilà. J'ai pas joué, j'aurais mis 36 points, on aurait fait égalité, prolongation. Ben ouais. Non, on a pris moins 36, mais je crois à la mi-temps, il y avait 10 points, et après, ils ont dit, bon, allez. Mais tu vois, j'en parlais avec la veille, j'avais été voir Perry et Peter avec un masque à 3 mètres 2. Et je leur avais dit, il m'a dit, non, non, mais il veut pas gagner, nous, il veut dominer. Il veut dominer notre coach. Du coup, il faut tout le temps. Donc je pense que voilà, c'est pas. Nous, c'est pas bien de jouer après Le Mans à Monaco, je peux te le dire. Je pense que là, ils vont dire, bon, on fait pas deux fois, on se fait pas peur deux fois. Ouais, voilà. Surtout que Mac Tu vois. James fait un mauvais match, ça lui est pas arrivé souvent, ça va peut-être pas lui arriver tout le temps. Ouais, je Mon pense que avis, lui, il s'en contrefou. Il n'en a complètement rien à carrer des matchs. En fait, je pense lui, c'est Paris, Asvel, Bourg. Voilà, c'est les pas trois matchs qui faux. l'intéressent en championnat. C'est pas faux. Tu vois. Donc, bah, tant mieux. Ça veut dire peut-être que tu peux faire un exploit là-bas ou tu peux les prendre à un moment donné. Mais bon, je doute quand même. Ouais, faut le tenter en tout cas, bien sûr. Oui, Et tu joues vous jamais. voyez qui comme descente d'ailleurs? Parce que moi j'ai dit que Graveline allait se Voilà. sauver, mais. Bon, moi, Gravelines, je parierais pas dessus, mais on parlait de Boulogne là il y a 5 minutes. Bon, s'il faut que je mette toute ma maison dessus, ce sera peut-être sur Boulogne. Ah ouais? Ouais, je les vois pas, Ouais, après. je les vois pas se relever. Hein. Il reste 14 matchs, Max. Il reste 14 matchs. Ils sont à 3-17. Tu veux te sauver, tu vois le bazar que c'est devant. Allez, Ah, on j'ai disait pas dit que début de Boulogne allait saison. se sauver, hein. Moi j'ai dit que Graveline Peut-être d'un coup allait se 14. sauver. Faut Ouais. 13 ou 14, je pense. Ouais. Mais ça, c'est ce qu'on disait au début de saison. Vu comment c'est serré, peut-être qu'à 13, voire même. Ouais, peut-être pas 12. Peut-être 12 avec un point d'avérage, tu te sauves. Vu que Ouais, Rouen prend du retard. parce que tu vas avoir. Ouais, faut voir. Là, c'est quoi le premier relégable? Il est à. Rouen est à 6-13. Devant, Six, t'as après Blois au-dessus.
qui est à 7-13 avec un match en plus puisque Roanne a un match en retard contre Gravelines des journées de Noël. Et au-dessus, tu as Limoges qui est à 8-10. Et nous à 8-10. 8-12. 8-12, ouais. Pourquoi ils ont deux... Ah oui, mais c'est les deux matchs qu'on leur a enlevés. On va en parler après. On va en parler. En cas d'égalité, par contre, Limoges, normalement, ils ont... Admettons, il y en a plein d'égalités pour la descente. Limoges a le point d'avérage sur personne, normalement. Ça marche pas comme ça. Mais comme ils ont des victoires de pénalité, donc effectivement, ils devraient ne pas avoir le point d'avérage ou avoir des 0-20, en tout cas, sur ces matchs perdus. On se posera la question quand le monde reviendra, parce que pour l'instant, tu regardes Limoges, je mange un peu peut-être le thème d'après, hein, les gars, vous me dites. Bon, on peut tranquillement se diriger vers ce thème aussi. Hein. Ouais, carrément. Ils sont théoriquement à 10. Ouais, mais ils jouent pas. Franchement, ils jouent pas mal. Hein. Enfin, après, je sais pas comment ça va prendre avec Jean-Marc, mais franchement, c'est pas. S'ils arrivent, mais ça doit être dur, on n'y est pas. Hein. Mais s'ils arrivent à faire abstraction de tout le merdier que c'est une équipe sympa. Hein. C'est pas une équipe de peintres. Hein. Justement, pour toi qui es joueur, quand on sait que c'est le bordel dans les bureaux. est-ce que c'est facile de se concentrer en tant que joueur sur le terrain et c'est tout, tu vois. Tu me dis ça à moi, moi non, ça me casse les bonbons. moi ça me casse les... Et puis plus je vieillis, moins je suis patient en fait. Ouais. Donc j'ai eu la chance de jouer pour Le Mans pendant des années où c'est quand même très stable. Pour être transparent, la première année à Chalon, alors, et puis c'était pas prévu de venir à Chalon, j'y viens pour... on fait une équipe de ouf pour monter direct et tout. Et puis très vite j'ai vu comment en fait il y avait toujours un traumatisme en fait. Et comment il y avait aucun lien entre personne en fait. Et waouh, laisse tomber, je pétais un câble. J'ai aussi fait le con. J'étais en mission, moi. Je voulais juste remonter. Donc j'étais très dur avec tout le monde. Et tu vois, j'ai vachement appris cette année-là. Et du coup, depuis 2 ans, je l'ai changé par rapport à ça. Et c'est plus agréable. Mais franchement, quand t'as le feu là dans le club, qu'il y a toujours un truc, une merde. Waouh, c'est relou, tu vois. Alors les Ricains sont très forts là-dessus. Ils font abstraction de ça, ils s'en foutent, ils sont là en mode. Mais quand t'es français. Ils sont payés. Ouais, mais tu vois ce que je veux dire, Ali. Quand t'es français et que tu te dis, bon, okay, déjà, tu comprends la langue. Ça, c'est un premier truc. C'est que les mecs, eux, tu peux parler à côté d'eux, un tel qui parle. Ah ouais, t'as vu, t'as entendu ça, le mec, eux, ça leur passe au-dessus. Nous, on entend, on comprend tout, tu vois. Donc, on est chez nous. Donc, si tu veux, déjà, t'as les infos qui te remontent sans que tu veuilles qu'elles te remontent. T'es fait gaffe à tes propos, quand même. Mais ouais, vas-y, continue. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. On est chez nous! Non, mais les Français, on est... Attends, on a déjà 6 Ricains, 6 étrangers dans notre putain, dans nos équipes, donc c'est vrai. Ouais, pas mieux vous faire chier, c'est étranger. Tu as entendu, Antoine, les déclarations de Nikolic en conférence de presse après le match de justement hier. Ouais. Ouais. Lui, il dit, bon, je viens des Balkans, mais en fait, c'est un bordel innommable. Globalement, c'est ce qu'il dit, il le dit pas comme ça. Ouais. Alors, ce qu'il dit exactement, c'est « Je viens des Balkans, j'ai connu beaucoup de situations dans ma carrière, mais là, c'est un autre niveau, je ne m'attendais pas à ça, surtout en France. » C'est clairement pas la meilleure pub pour le championnat français. Hein. C'est que la France, pour les étrangers, c'est hyper stable. T'as pas de retard de salaire, t'as pas d'embrouilles bizarres. Donc pour eux, quand ils viennent en France, ils se disent « Vas-y, là, c'est les vacances par rapport au bordel que je peux avoir dans mon championnat, dans les Balkans ou quoi. » Et là, ils tombent sur la même chose. Donc c'est grosse claque dans sa tronche. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, mais dans tous les clubs, il y a des trucs. Hein. Dans tous les clubs, ont des problèmes. Enfin, dans tous les clubs, si tu tends l'oreille, il y a des petits trucs de daube, il y a des petites tensions, des machins. Après, c'est comment tu les gères. Et il faut une hiérarchie, il faut vraiment un GM, un DG, un président. Il faut un truc, il faut que ce soit carré. Et au bout d'un moment, c'est cliché, mais il faut que le coach, il coach, les joueurs jouent, les gens des bureaux, ils fassent le boulot des bureaux. Voilà. Tu vois, parce que tu as déjà 5000 coachs dans les tribunes tous les week-ends. Tu vois, tu n'as pas besoin de... Donc, après, ben, Limoges, on connaît très bien. Lille y a joué en plus. Ouais. Ça reste un truc de ouf, tu vois. Donc, Parce qu'en plus, là, tu as quand même le directeur sportif qui est en arrêt maladie. Ah oui, j'ai oublié ça. Ouais. Qui va peut-être se faire virer pour faute grave. C'est ça. Mais il peut pas aller en arrêt maladie. Voilà. Mais c'est incroyable. Hein. Et le club veut s'en séparer. T'as les joueurs qui expriment leur ras-le-bol, ça fait beaucoup, quoi. Ouais. Et puis là-dessus, t'as les ultra-green qui doivent insulter les parents de tout le monde. Ça doit être incroyable. Ouais, mais l'équipe dirigeante est partie après le match, enfin juste avant la fin du match, d'ailleurs, face à Strasbourg. Mais puisqu'on parle de Limoges, parce que je vois qu'il y a pas mal de gens qui se connectent sur le Discord, n'hésitez pas à venir, connectez-vous sur le canal général et on va en prendre un ou deux, trois. Venez pas, par contre, pour parler avec Ali, avec Antoine. Venez, Ali est chaud. Venez donner votre avis. Mais par contre, voilà, il faut que vous vous connectiez sur le,
le canal général, et après on vous switch directement dans le truc. Mais ouais, après, il y a un truc quand même, il y a un truc, c'est que sportivement, Limoges, c'est 10-10. Hein. En gros. Oui, aujourd'hui, ah oui, sportivement, ils sont en play-off. Sportivement, c'est pour ça que je te dis, c'est une bonne équipe. Ils ont un meneur qui est rookie, je crois, Appleby, je crois. Ouais, Appleby, il est rookie. Appleby, là, voilà, il fait des conneries, des trucs, mais c'est bien, tu vois, c'est pas mal, il a une attitude qui est correcte, il speed le jeu. Bon, après, c'est très. Mais je veux dire, c'est. Voilà, ils ont le petit Boucau qui fait une saison correcte. Après, ils ont toujours Nico qui est là. Enfin, je veux dire, c'est pas moche ce qu'ils font, quoi. Surtout que ça monte en puissance pour les jeunes. Parce qu'Appleby, ouais, il avait fait un début de saison qui était pas folichon, puis là, ça monte en puissance. Appleby, c'est du up and down. Ouais, oui. je trouve que c'est de mieux en mieux. Là, tu vois, il s'est loupé, là. Bon, après, j'ai pas vu le match. Statistiquement, je vois qu'il loupe un peu sur le dernier match. Bah, c'est compliqué. De toute façon, dans les équipes, moi, je suis bien placé pour le savoir aussi avec Chalon, et c'est un peu pareil. Dans les équipes comme ça, bas de tableau, qui jouent le maintien le plus vite possible, ou peut-être aller 9-10e, en fait, on est beaucoup dépendant de certains joueurs, tu vois. Si t'en as un ou deux qui passent à travers, ou trois, c'est compliqué de gagner. Là, et sportivement, donc, tu regardes, t'as bon, Appleby, qui est un peu up and down, mais qui est quand même une satisfaction globale, parce qu'effectivement, oui. Rookie, tu vois, bon, tu vas pas lui jeter la pierre. T'as Nico Lang, satisfaction tout le temps. Malheureusement, il est blessé. Hein. Non, Lang, il est pas blessé. Là. Bah, il est plus blessé, mais il a perdu. Oui, il a été voilà, il a raté des matchs à cause de ça. Ouais, il s'est blessé contre nous. Ouais, il a été blessé. Comme ça. C'est une côte. Ouais. Mais Nicolite, c'est bien, tu vois. C'est une bonne équipe. Quand j'ai commenté leur premier match en début de saison, maintenant je passe pour un con, mais pas totalement. C'est que j'avais dit que c'est l'équipe qui avait un putain de potentiel, et moi je les voyais dans les playoffs sûrs. Mais après, en coupant, ils sont mangés 15 matchs de suspension. Techniquement, t'es combien au classement à 10 là, à 10 victoires? T'es dans les playoffs, t'es dans le top 8, puisque actuellement 6e, tu as Saint-Quentin, Dijon et Cholet qui sont à 10 victoires et 10 défaites. Donc, voilà, Limoges sans les deux victoires de retard, enfin sans les deux victoires enlevées, pardon, ils seraient en playoffs actuellement. Ouais, bah, donc, j'ai pas dit que des conneries, ça va. Non, après il y a plein d'équipes qui, tu vois, Rouen là, ils ont perdu, ils ont un mec qui se pète, l'autre qui se fait couper. C'est, tu vois, c'est ça aussi, c'est non, ça va être compliqué jusqu'au bout, je pense, tu vois. Ouais, et justement, est-ce que ça peut pas être de pire en pire? Parce que là, la situation dans les bureaux, a priori, ça sort de plus en plus sur les réseaux, c'est de plus en plus, même c'est très bien couvert par France 3, après c'est bien couvert. Est-ce que ça peut pas mettre une sale ambiance? Les joueurs vont être impacté, est-ce que il y avait, Alex Chasson qui disait d'ailleurs que c'est pas ce qu'il souhaitait, mais qu'il y avait une implosion de l'équipe qui était possible. Est-ce que c'est crédible? C'est pas, après il y a je sais pas, ouais, c'est bon, moi je l'ai pas vécu, ça, je veux dire, enfin je l'ai pas vécu autant, à Orléans c'était spécial en fait. Tu vois, on dit toujours quand il y a les polieux, derrière, tout le monde empathie, quoi. Ouais, bien sûr. Quand t'as un joueur qui est à étranger, bon, Nicolas, voilà, qui quand même se rend compte de ce qui se passe autour, ça veut bien dire que c'est le bazar total. T'as une bisbille entre les fans et la direction, ça hurle direction d'émission dans Beau Blanc, ça soutient le directeur sportif qui en a la maladie que les autres veulent licencier. T'as les chiffres qui sortent chez nos collègues du Populaire du Centre là, qui te disent globalement y a plus de sous, quoi. Voire même il y a encore moins de sous que. Donc tu fais. Après, qui croire aussi? Je dis pas que le journaliste ou les journalistes disent des bêtises, hein, c'est pas ce que je dis, mais est-ce qu'il n'y a pas un juste milieu par rapport aux chiffres, tu vois, si t'es d'un côté. Prends le communiqué du club alors, si tu veux. Le communiqué du club. Ah ouais, le communiqué du club, c'était moins 250 000 euros au 30 juin, et ils ont communiqué sur le fait que la trésorerie était bonne. Qu'ils ont en caisse à ce moment-là, au 31 décembre, était de 500 000 euros. Voilà ce que le club a communiqué en réponse aux articles du Populaire et de Basket Europe. Donc, qui ont, communiqué les chiffres. Au lieu de moins de 1,5 million, ils sont à plus de 250 000. En gros. Ouais, 500 000 de trésorerie, moins 253. Bah, tout va bien alors. Pourquoi ils s'énervent? Tout est facile. Ça, mais venez en parler avec nous là, sur le Discord. Venez en parler avec nous. C'est Matt LV2, je te le dis. On a Jojo sur le Discord. Tu nous dis, Limoges demande de l'argent à tout le monde, des anciens joueurs, etc. Après, est-ce qu'ils ont pu contrôler le fait que leur coach il veuille se barrer aussi? Est-ce que moi ça me... Alors, est-ce qu'il s'est vraiment barré ou est-ce qu'ils l'ont vendu?
Bah, je pense que le mec, il voulait pas. Enfin, si le mec veut rester, ils vont pas le vendre. Enfin, je veux dire, à un moment donné, c'était pour 3 francs, 6 sous. Non, le mec, il a dû vouloir partir. Enfin, après, je sais pas. Il est parti dans un club qui joue l'Eurocup. Donc, c'est aussi un projet qui est plus intéressant. Ils l'ont laissé partir pour sa clause qu'il avait à l'été, c'est-à-dire pas beaucoup d'argent, pas grand-chose. Donc il lâche le chiffre, c'est 50 000 balles. Donc ils l'ont laissé partir pour 50 000 balles. C'est pas cher payé quand même pour un coach sous contrat et dont sa clause avait déjà expiré. Ouais. Après, retenir un coach qui veut pas être là et pas faire bosser l'équipe, tu mets aussi en péril le club. Donc est-ce que tu peux le garder à tout prix? Je sais pas trop. Hein. Ouais, c'est pas faux. Tu vois? Les joueurs, c'est pas. Si t'es un joueur qui ça se passe avec les joueurs, bah tu le mets de côté, t'en as 9 autres, mais un coach. Est-ce que les pires. Celui qui empathie le plus, bon bah évidemment les fans empathisent parce qu'ils voient leur équipe un peu dans le mal. Après, c'est pour le coup, gros shout-out aux fans, puisque le taux de remplissage de Beaublanc, c'est le seul à 100%. Donc les fans toujours derrière, mais ouais, ça. Ils sont à 157% même sur l'équipe. Ouais, c'est fou. C'est et parce fou, que l'équipe est bonne, parce que l'équipe joue bien et elle est bonne en fait. L'équipe, elle lâche pas, ils se donnent malgré tout. Enfin. Ça, en fait, eux, Lille confirmera, elle joue là-bas, mais eux, en fait, ils veulent des gars qui s'arrachent, en fait, qui ont une bonne attitude, qui se donnent et qui gagnent des matchs. Derrière, ils vont pas être contre les joueurs, alors que. Eux, d'ailleurs, ils les soutiennent, hein, ils l'ont bien fait comprendre, quoi. Ouais, bien sûr. Et donc, premiers à en pâtir, c'est forcément les joueurs, les fans, mais est-ce qu'en fait, c'est pas toute la bête clique qui en pâtit avec des déclarations comme on a entendu, comme quoi ça. Bah, en France, il se passe aussi ça, c'est fou. Est-ce que si Limoges commence à penser qu'il pourrait descendre en Pro B, est-ce qu'un club mythique comme Limoges qui se retrouve en Pro B, ce ne serait pas un problème pour la Betclic? Ce sera bien, il y aura un classico. Ils sont déjà descendus avant, il y a Pau qui est descendu. Oui, voilà, du coup, c'est un problème. Les clubs qui descendent, ça existe, ça va. Bah oui, ça descend. Le retour du classico. Ouais, le retour du classico en Pro B. Mais ils descendent. Ils n'ont pas descendu. Encore une fois. Le classico en Pro B, c'était fou. Il y a une dizaine d'années, les deux matchs étaient incroyables. Donc, Oui, mais ce que je veux dire, c'est que, enfin, aujourd'hui, c'est dur à faire, mais si tu dissocies le sportif du non sportif, bah, ils sont bien Limoges. Ouais. Ok, ils ont pris. C'est pas de leur faute s'ils ont pris deux matchs de pénalité. Enfin, donc ils doivent sportivement, ils doivent se dire, mais notre saison, elle est correcte. En fait, ça se passe bien, on a gagné 10 matchs. Parce que moi, je suis Nicolas Lang ou je suis Alex Chastang ou Appleby. Voilà. Moi, dans ma tête, j'ai gagné 10 matchs, en fait. J'en ai pas gagné 8. Je les ai joués, je me suis arraché. J'ai gagné 10. Il y avait un truc dont on a parlé à William Snaras samedi dernier, là, pendant l'émission du multi. On lui a demandé, on lui a dit, est-ce que Le Mans était au courant, a priori c'est le cas, que si jamais Limoges reprenait en fait ces deux victoires, bah, a priori c'est Limoges qui faisait la Leaders Cup à la place du Mans. En vrai, c'est une dinguerie ce genre de décision. Fait ça. Ah ouais? Ouais, je sais pas. Apparemment, les gens dans le club du Mans sont au courant. Que si jamais ça se règle juste deux jours avant, en gros. Mais là, attends, parce qu'ils ont refait appel là pour récupérer les deux matchs? A priori, pour l'instant, ça discute encore. C'est sûr qu'il y a eu un nouveau appel, parce qu'il y a eu un appel où ils ont récupéré une victoire. Je crois pas. Trois, ils en ont eu deux. Je suis pas sûr que le club ait refait appel derrière, mais. Parce que ils peuvent te remettre les trois en appel hein, aussi. Oui, c'est possible. Moi, je serais eux, je jouerais pas à ça. Hein, parce qu'avec tout ce qui se passe, je sais pas. Bizarre. Bizarre. Ouais. Bon, est-ce que vous voulez rajouter un dernier mot sur cette équipe? Non, on passe à autre chose. On passe à autre chose. Attendez. Posez des questions quand même un petit peu. Voilà. Vas-y, lisez des questions. J'arrête pas de demander aux gens de venir. Venez hein, si vous voulez discuter avec nous dans Discord. On vous a mis le lien sur le chat YouTube. Vous écrivez, vous venez dans le salon vocal général et puis on vous glisse chez nous et vous venez discuter avec nous surtout. C'est ça qu'on veut voir. Mais les questions, il y a eu quoi? Qu'est-ce qu'il en est de Chitou à Limoges? Ben Chitou, salut, il est parti. Hein. Ah oui. Il a été remplacé par Oudano. Donc ça c'est fini. Mais il leur manque aussi, tiens, peut-être un pivot. Oudano qui est arrivé, qui est un bon pivot, mais ils n'ont pas un pivot dominant non plus. Ils se sont fait démolir au rebond hier contre Strasbourg. Voilà, sportivement, même s'ils sont à 10-10, tu as quand même quelques manques qui apparaissent et qui peuvent peut-être casser avec justement toute la mauvaise dynamique autour. Ouais. Ah, Antoine, on te demande quel public est le meilleur en Pro A. Chalon? Évidemment. Je suis un peu chauvin forcément, mais franchement déjà le public
À Chalon, c'est un truc de fou, il y a une ambiance de malade. Le truc, déjà les playoffs l'année dernière, c'était n'importe quoi, vraiment. Et plus là, tu vois, moi, ce qui m'a choqué, c'est genre, on perd trois. En fait, il faut savoir que nos trois derniers matchs, on était à guichet fermé. On chie dans la colle contre Cholet, on perd le derby contre Dijon, et là, on en prend 27 contre Bourg. Et tu fais le tour en tapant dans les mains des gens. C'est bien ce que vous faites, continuez, c'est bi... genre. Et tu Ah, vois, ça j'étais choqué, je régale. dis à un moment donné, ils vont nous insulter, enfin, tu vois, ils vont nous dire, c'est à Limoges, t'en prends 27, et tu te fais défoncer, tu vois. Et ça fait encore plus mal, tu vois. C'est-à-dire qu'un mec qui va Ouais. t'insulter, tu as été nul, ben ouais, qu'est-ce que tu veux dire? Mais le fait qu'il te continue à te soutenir et te dise, il tape dans les mains, c'est bien au VIP, ouais, c'est bien, faut continuer, on lâche pas, on est avec même le COP et tout, il te dit ça, tu te dis, putain, ah ouais, ça me pique, moi, ça me pique encore plus, tu vois. Donc, bon, pour ça, je dirais Chalon. Après, Limoges, c'est incroyable. Limoges, c'est incroyable quand il joue. Et le Portel, le Chaudron. Ouais, bien sûr, bien sûr. Voilà. Tu vois, après le reste. C'est Non, non, mais le reste, c'est pas. Moi, vraiment, j'ai toujours été choqué par Limoges Ouais. et le Chaudron de là-bas. Après, voilà, c'est des publics assez calmes en France. On a. Eh C'est Arda. mais Arda, il vient pas là. Il y a Arda, il vient pas. Il y a Romain qui nous dit pourtant Antoine, Boblan t'aime beaucoup. Ouais, c'est l'amour fou. Ouais. Ils ont une petite chanson, c'est sympa et tout. Non, mais ça s'est calmé au fur et à mesure des années. Disons que, ouais, j'ai pas mal gagné de matchs là-bas aussi, donc bon, ça a un peu calmé. La meilleure réponse. Bon. Ouais, non, mais moi j'adore. Mais j'ai ma famille qui est à 1 h 15 de là-bas. Enfin, après, moi j'ai des histoires de ouf là-bas. Je suis monté dans les tribunes me battre, je suis dehors, pareil. On s'est attendu dehors, on s'est battu dehors parce que ma soeur s'est fait gifler, ma mère s'est fait insulter, du coup j'ai pété une durite. Je me rappelle, paix à son âme, il y avait Fred Forté, je dis, mais Fred, tu vas pas laisser ça. Moi je vais péter. Ah, il disait rien, boum, on est sorti, on s'est battu. C'était un truc de fou à l'époque, Limoges. Escorte policière avec Laurent Ciara, quand on a joué contre eux en probé, ouais, c'était ouf. Ça a été même loin, tu vois, avec certains cons, mais il y a des cons partout. Ouais, bah Et puis ça. après. Et après, au fur et à mesure, ça s'est calmé, tu gagnes leur respect, et voilà, tu vois, ils ont leur petite chanson, ils sont contents, et puis voilà. Va très bien. Non, juste pour finir, et puis après, je pense qu'on passera à un autre sujet. On a The Pen Don't Lie qui nous dit est-ce que Limoges ne pourrait pas devenir comme Reims au foot? Un club avec un passé, mais oublier des jeunes générations quand on voit ce que font l'ASVEL, Monaco, Paris, qui prennent toute la couverture. Est-ce que le fait qu'il y ait des affaires comme ça ne nous donne pas justement envie de, bah voilà, on passe à autre chose et puis on se tourne vers les clubs qui, eux, avancent? Alors bah moi si je peux répondre, je suis pas bien vieux et c'est vrai que des clubs qui bossent sur les réseaux sociaux, quand je pense vraiment à Paris, c'est un truc, ça nous touche quoi. Franchement les Paris ils nous font kiffer, ils ont des beaux maillots, ils ont vraiment de la com qui parle comme il faut, ça régale. Donc faut évidemment si on s'intéresse au basket, il faut savoir quels sont les grands clubs français. Faut pas oublier Pau, faut pas oublier bah voilà Limoges, mais c'est vrai que ils prennent de la place. C'est nouveau là, Paris, Monaco, c'est trop incroyable. Donc, faut faire attention à Tu la place de remplaceras Limoges. jamais le triptyque, le trio ASVEL, Limoges, Limoges, Pau. Pau Ouais. avant au moins 25 ans, toi. Si mon Ah, assaut est oui. Ah dit ouais, 10, 25 ans. 10, 10, 10, Historiquement, oui. Juste si d'un point de vue c'est sportif, parce oui. que t'es vieux, Fred, c'est parce que t'es Voilà. vieux. Moi, ça, c'est vrai, Peut-être. c'est sûr. C'est quoi, ça m'a fait mal cette année de commenter les matchs et de faire les fiches en mettant l'âge de tous les joueurs et de faire, putain, il est plus jeune que moi, lui aussi, voire Oui, mais personne ça. de plus vieux. Ça m'a fait un coup terrible. Et Ah, je suis mais arrivé à c'est Davy Alston, j'ai fait, ah quand même, Charles Cahuidi, ah quand même. Mais vraiment, il n'y a que ça. C'est terrible. Il y a Roland, Cahuidi, il doit y avoir Rolston, De Colo peut-être. Puis voilà. Même Roland, Nando, il est plus jeune, c'est me parle de littéralement Roland. 40 piges. Ouais, Non, Roland, il a un peu en 40, dessous. ouais. Aïe, Mais par contre, tu vois, pour revenir à Paris, aïe, c'est vrai, c'est une locomotive, ça devient une locomotive. Par contre, et pour en avoir parlé un petit peu en rigolant avec leur GM, il faut. Ah ouais, mais oui, pour pas le citer, tu connais. On en parlait, je lui ai dit, bah non, c'est top, mais par contre, restez humble et avancez tranquillement parce que eux, ils arrivent très vite, mais ça fait un an et demi. ouais. Mais en effet, les Limoges, les Pau, les mêmes Lasvel, même j'ai envie de te dire Chalon, il y a eu Le Mans, ça fait des 30 ans qu'ils sont là. Le Mans, les deux derniers champions avant ASVEL Monaco, c'était Le Mans et Chalon. Et ça reste des clubs quand même historiques, qui ont fait des trentaines d'années en pro, qui ont gagné des titres. Mais moi, j'étais le champion, je m'en souviens pas, moi. Non, non, bah, non, mais t'étais pas là pendant la finale, je En crois. Et 2018, non, je sais pas.
Et du coup, ça, faut pas l'oublier. C'est-à-dire que ils font un truc de ouf, ils font des événements de fou. Ils ont fait Roland Garros, ils ont fait plein de trucs. Mais voilà, ça c'est fantastique pour le basket français. Mais par contre, voilà, faut juste être humble. Et des fois, leur gars sur les réseaux, ils pètent des durites. Ah oui, il est un peu le CM. Ouais. Alors faut pas l'oublier, mais faut aussi. Je pense que de plus en plus, Paris Basketball, ça peut être une porte d'entrée pour connaître la BetClic. Je pense que juste, tu es sur Insta, tu regardes des Reels et il y a un Tomar de Tyson Ward qui tombe. Tu vas regarder un peu ce que c'est quoi, trop bien. Et du coup, une fois que tu as commencé à regarder le Paris Basketball, tu vas t'intéresser aux autres équipes, etc. Et là, il faut qu'en fait, c'est un taf aussi des CM des autres clubs de montrer l'histoire de leur club, en fait. Moi qui suis vieux, je vais te dire sur les réseaux, moi qui suis vieux, et qui ai vu, je veux bien voir ton feed, l'avènement des réseaux LNB et tout ça, on revient de très loin. Aujourd'hui, on a des communicants, on a des highlights tout le temps, on voit ce qui se passe en LNB. Il y a des fois, tu allais dans des salles, tu commentais les matchs, tu avais un truc incroyable, il n'y avait pas d'image, ou il y avait l'image qui motion, qui n'était pas une image, qui n'était pas diffusable pour promouvoir ton produit, pour parler un peu commercialement. Aujourd'hui, voilà, on a avancé aussi de ce côté-là. Donc, tu as une com qui peut aussi progresser sur de l'image. Tout le monde, ou presque, fait ses propres images encore plus léchées qu'une diffusion télé, parce que tu es sur une caméra 4K qui est sous le panier. Enfin bon, voilà, on voit des images qu'on ne voyait pas. Il y a même il y a 4-5 ans, avant le Covid, quoi. Donc, tu as ça aussi qui permet, voilà, si tu parles de les toucher à notre public, et dans cette communication de Paris aussi, tu as ces images magnifiques qui changent un peu la donne aussi. Ah, complètement. Après, petite anecdote personnelle. J'ai un pote qui a jamais vu un match de basket de sa vie et lui, il va que au PSG parce qu'il a son cousin qui joue au PSG. C'est une pépite du PSG. J'ai invité à un match Paris-Strasbourg. Il a dit, j'ai tellement kiffé, je te jure, je ne veux même plus mettre un pied au Parc des Princes en hiver. Le basket, c'est un sport incroyable. Donc, par rapport à ça, moi, je trouve qu'effectivement, oui, le Paris Basketball, c'est peut-être une porte d'entrée pour un public de novices. Pourquoi je fais le truc de Spider-Man, je ne sais pas. Mais ça, c'est sûr qu'en fait, le Paris, c'est une porte d'entrée. Maintenant, est-ce qu'il ne faut pas que Limoges, du coup, fasse attention à ne pas se faire bouffer par des clubs comme ça, quoi ? Non, mais c'est un club trop historique. Pas l'histoire. Mais oui, mais trop historique pour les gens qui connaissent. C'est pas du tout, attention, t'es à Paris. C'est-à-dire, c'est parisien, c'est très hip-hop. Moi, pendant longtemps, j'ai détesté jouer à Paris. Je détestais aller là-bas. T'as tous les agents, t'as tous les trucs, t'as tout. Pas du tout de Paris, mais j'ai toujours. C'était relou, tu vois. Mais j'avoue que quand tu regardes les matchs, même pour avoir joué là-bas, à Paris, on a déjà joué à Paris Basket, c'est un truc différent. Alors, t'es dans un hangar, là, à Carpentier, t'es dans un hangar, mais. C'est fini. Mais ce que je veux dire, c'est qu'ils ont des activités, ils ont des trucs, ils sont innovants. Non, t'as rien à dire. Moi, sauf sur le côté un peu humble et. Voilà, tu vois. Le reste, c'est une tuerie, hein. Franchement. On revient sur Limoges et l'histoire de. En fait, c'est quand tu dis qu'il n'y a que les gens qui connaissent le basket qui connaissent Limoges, moi je trouve que c'est faux. Parce qu'à chaque fois que je parle à des gens qui n'y connaissent rien au basket, les premiers qui me sortent, c'est Limoges, c'est Dakoury, c'est l'épopée de 93. Ça m'est arrivé il y a deux jours. Je parlais avec les parents là, au match de ma fille. Il y a un mec, mais vraiment, il connaît que dalle. Il m'a sorti Limoges, il m'a sorti Dakoury. Donc, ça sort pour moi, Limoges, c'est un club qui sort même au-delà de la sphère basket. Après, peut-être avec le temps, ça va disparaître. Mais ouais, c'est Limoges, c'est Pau, c'est l'Asvel qui sort la sphère basket. Du coup, tu as dit, c'est un daron qui t'a dit ça. Donc, qui était né en 93. Avant ça, même. Ouais, voilà, c'est ça. Mais c'est ça. Tout ça pour dire que le nom de Limoges, il sort en dehors de la sphère basket. Alors peut-être qu'il s'oubliera, ouais, parce qu'il y a d'autres noms, il y a d'autres clubs qui sont un peu plus hype et qui est plus dans la tendance. Mais bon, après, bosser, hein. Ce qui est dérangeant avec Limoges, je trouve, c'est qu'on l'a tous dit à un moment donné, c'est bon, avancez, quoi. Arrêtez de vivre dans le passé. Là, c'est bon, là, ça là, fait là, combien de temps que vous êtes. C'est ce que tout le monde me dit dire, pour aller les gars, dans vous êtes casse-bonbons. Bien sûr, vous êtes casse-bonbons, arrêtez. Alors, ils ont fait un super doublé, c'était quand, là, avec Pudjeter, tout ça, là. C'était Hervé derrière avec Dupraz où il y avait Vestar. Je sais plus quelle année c'était, mais c'était il n'y a pas si longtemps. Pape était les deux titres de Limoges, 2014 et 2015. Ah, c'est bon, là, vas-y, on passe, on change de sujet, là. Allez, c'est bon. Mais tu vois, Euroleague.
C'était top. Ah oui, bon. C'est quoi le sujet? Euroleague, bilan de mi-saison. Très bien. Ouais. Ça va arriver. Qui anime, Ali. C'est pas toi qui anime. Aïe, aïe, voilà. Aïe. Non, mais oui, c'est vrai. Mais en tout cas, il y a beaucoup de gens qui partagent ton avis, Antoine, là, sur, que ce soit sur YouTube ou sur Discord. Les gens disent ça changera jamais. C'est exactement comme l'OM, tu vois, je lis. Exactement. Ah, on arrive sur. Je lis comme l'OM, c'est l'OM bis, des fois. Ouais, c'est Charles qui dit ça. Bien sûr. C'est Charles qui dit ça, exactement. Tu sais, c'est comme à Pau, hein. Comme à Pau, j'ai beaucoup commenté Pau. Et en fait, tu peux plus dire on est Pau ou on est Limoges. Tu dois avoir un projet pour avancer et un projet longue distance. Ce qu'a fait Tony Parker à l'ASVEL, par exemple. Ce que Monaco est en train de faire dans un. De manière différente, ou Paris, tu vois, Paris, ils ont pris les droits d'hier Toulon, ils sont montés en Pro A, Betclic, JP Elite, comme tu veux, un peu tôt, mais ils sont montés, ils ont pris le challenge, ils ont fait leur arena. Voilà, il y a une histoire qui avance. En plus de prendre des joueurs qui font gagner des matchs, ils prennent des joueurs qui font vendre. Quand en Pro B, il y a Sylvain Francisco, t'as envie d'aller voir Sylvain Francisco mettre des tomards et mettre des 3 points, quoi. Ça régale trop. C'est pas le Sylvain Francisco. C'est pas le même Sylvain Francisco, mais c'est un Sylvain Francisco quand même. Bon. Est-ce qu'on passerait pas au sujet d'Ali, justement? Antoine, tu suis un petit peu, toi, l'Euroleague? Moi, je suis l'Euroleague. Me parlez pas d'NBA, je regarde pas du tout. Très bien, ça, on en parlera quand même de l'NBA tout à l'heure. Mais voilà. Mais d'abord, on va parler d'Euroleague, justement. On va faire un petit bilan de la mi-saison, Yann. Est-ce qu'on partirait pas là-dessus, justement? Avec plaisir. C'est quoi déjà l'Euroleague? Je suis pas, moi, tout ça. Tu suis pas l'Euroleague? Si, bien sûr. On va pouvoir en plus, parce que vous êtes beaucoup à nous demander de parler de l'ASVEL, du Fener, du Pana, etc. Je le vois là dans les commentaires. Moi, je voulais avoir votre avis un petit peu sur. Voilà, on est à un peu plus de la moitié de la saison d'Euroleague. Avec Ali, avec Fred, on commente notamment pas mal de matchs. Moi, je voulais parler des équipes qui ont un peu surpris, qui ont un peu déçu, selon vous. J'ai envie de commencer par toi, Ali. Qu'est-ce qui t'a. C'est quoi ton équipe surprise? Après, je demanderai à Antoine la même chose. Virtus Bologne. Évidemment. Virtus Bologne, alors, ouais. Bologne, évidemment. Ça n'a aucun sens parce qu'ils ont la même équipe. Ils ont viré le coach qui est Serge Oscario. Ce n'est pas n'importe qui non plus. Ce n'est pas Jozo le robot. Avant même le début de la saison, en gros, ils prennent Luca Banchi et ils font une saison de malade. Ils sont troisième. Ils sont extraordinaires. Donc, ouais, moi, l'équipe la plus surprenante pour moi, c'est Bologne. Bien sûr. Parce qu'ils ont un niveau de jeu extraordinaire, notamment grâce à notre Isaiah Cordinier national. Il fait une bonne saison, Isaiah. Tout à fait. Même local. Après, ils sont similaires. À un moment donné, frérot. Non, bah, attends. On reste déjà sur les surprises. Calme-toi. Va pas trop vite. Voilà, Antoine, toi, puisque tu suis aussi, c'est quoi l'équipe ou les équipes qui te font kiffer, qui t'ont bien surpris cette saison? Moi, je voyais pas le Barça là où ils sont. Honnêtement, okay. Ouais. Voilà, parce qu'ils restaient pas sur, je les voyais pas là. Voilà, après, après la Virtus, c'est sûr, et la remontada un peu du Baskonia là avec leur shooter fou là. Marcus Howard, Marcus Howard, ouais, c'est malade. Que je kiffe bien. Mais tu vois, j'en parlais avec notre Slovène là. Et en équipe nationale, tu vois, il était avec Doncic et Jokic avait dit à Doncic et tout, il avait dit, vous verrez, ce mec-là, il va en Europe, c'est un shooter de malade mental, c'est un truc de fou. Moi, ce qui me rend fou, c'est qu'il sort du banc de temps en temps. Il a pas, ça me rend, enfin, tant mieux hein, qu'il ait pas l'ego de vouloir être dans le 5 à chaque fois. Mais c'est fini, maintenant. Ça, tu vois, j'en parlais pas plus tard qu'hier, c'est fini. Ouais, c'est fini. Ce qui est important, c'est, après vous direz ce que vous voulez, mais c'est de finir les matchs, ça c'est important. Et même si tu les finis pas, c'est de d'être sur le rôle qu'on t'a présenté, entre parenthèses, ou qu'on t'a donné. Il y a des joueurs qui doivent être dans le 5. Shimao Weke aussi sort du banc. Hein. Après, voilà. Il dit, gros, tu vas sortir du banc, tu dis oui, coach, et tu t'assois sur le banc. Et Nadir Rifi. Pareil, en Eurocup. Ouais. Nadir Rifi, il sort de. Nous, notre meilleur intérieur, il sort du banc. Des fois, il reste longtemps. Notre meilleur intérieur à Chalon, le meilleur, il sort du banc. Ben, c'est comme ça. Après, il y a des gens qui ne peuvent pas quitter le 5 parce que mentalement, ça les tue, mais les coachs les repèrent plus ou moins et ok, vas-y, tu vas être dans le 5. Mais ça veut pas forcément. Moi, j'aimerais bien sortir du banc. Je préfère. Ouais.
Ouais, ça c'est quoi, ça m'étonne pas, toi. Vraiment, ça me... Les deux, c'est bien. Mais non, c'est bien, quand t'as une année référence, c'est bien d'être dans le 5, tu vois. Mais... Ah, moi, je sortais du banc, j'allumais, je mettais des points, et j'allais m'asseoir, j'étais content, hein, c'était bien. Toi, Fred, c'est quoi l'équipe qui t'a surpris? Parce que je vois qu'il y a beaucoup de gens qui parlent de l'ASVEL. Vas-y. Ouais, bon, on dit Fred va dire l'ASVEL. Ouais, l'ASVEL m'a surpris, franchement, ils font un super... Non, ouais. Oui, bah, on est déçus quand même de l'ASVEL. Franchement, 4 victoires... Voilà, c'est cet état d'esprit qui a pas suivi sur la saison. C'est décevant. Non, surprise. On kiffe voir la Virtus. Bon, ça, c'est évident. Derrière, ce qui me surprend, c'est que t'es pas justement une hiérarchie un peu plus forte, finalement. Que ce soit encore un sacré bazar cette année. Encore plus que l'an dernier. Ouais, cette année, c'est fou. Cette année, franchement, tu regardes le classement, il y a 11 équipes là, qui jouent pour le play-in. Même derrière, l'Anadolu va revenir. Ali, on a commenté le match de l'Anadolu ensemble. Cette semaine, ils viennent de claquer 25 points à la Virtus et 24 points au Barça. Donc là, ça va repartir de ouf de derrière. Ils ont récupéré tous leurs blessés. C'est ça. Ils ont deux. Ils ont toujours le même coach. Toujours le même coach. Ils l'ont gardé. Vous parlez de le couper. Hein. Non, bah, parce que la bonne idée, en fait, d'être premier en championnat de Turquie. Donc du coup, bah, le club, il a été patient. En plus, ils ont tapé Fenerbahçe deux fois, je crois. Donc du coup, le club, ils ont dit, ah, ça va. Ça va. De toute façon, c'est comme en Grèce. Gros, tu peux être nul en Euroleague, tu gagnes l'Olympico là contre le Pana, t'as 3-4 matchs de sursis. Et ben c'est ce qu'il a fait, il est malin. Mais tu vois, bilan à mi-saison, si tu fais, tu sais quoi? Non, on va attendre. On va attendre parce que là, c'est pas possible de faire un bilan. Il y a trop d'équipes qui sont à touche-touche. Même Monaco, tu fais bon, il y a un match qu'ils auraient pu gagner en plus. Allez, peut-être deux, mais tu fais bon. Bah, et le Real, en vrai, c'est une surprise. Vous ne trouvez pas? Franchement. Alors, moi, si. Moi, je voulais. Si, moi, je trouve ça assez impressionnant, en fait. C'est surprenant le fait qu'ils soient encore plus forts que l'année dernière. Mais vraiment, je trouve ça incroyable. Ils ont gardé la même équipe que l'année dernière. Oui, d'accord. Le deuxième meilleur meneur en Europe après Mike James. D'accord. Puisque tu parles de ça, puisqu'on est à la mid-season, on a demandé au GM des équipes d'Euroleague de savoir qui il donnerait comme MVP. Le premier choix qui ressort à, je crois, plus de 55% des voix, c'est Facundo Campazzo. T'es d'accord avec ça, toi? Je suis pas d'accord. Pour moi, c'est Mike James. Moi, le MVP, c'est Mike James. Mike James, il a que 22%. Hein. Bah, c'est le deuxième. Parce que, gros, tu enlèves Facu du Real. Le Real sera peut-être moins bon, mais ça va tourner. T'enlèves Mike James de cette équipe. Aïe, aïe, aïe. Donc, pour moi, c'est ça le most valuable player. Et tu sais, quand je dis ça, je trace un peu du sang. Parce que Mike, l'année dernière, il me foutait tellement de seum. Des fois, je commentais des matchs. Genre, je cassais des bouteilles par terre. J'enlevais mon casque. Je confirme. J'ai envie de péter un truc. Mais là, cette année, il est tellement fort. Pour moi, c'est le MVP. T'enlèves Mike de Monaco, c'est mort. T'enlèves Facundo de Monaco de Real, ça va. Parce que Facundo Campazzo est plébiscité. Vas-y, Fred. T'as pas mangé ce soir, Ali, non? Que t'es au taquet, là. Mais non, j'ai bien mangé, c'est la pêche, là. Il a la pêche, effectivement. Le meilleur leader, hein, selon les GM, c'est encore Facundo Campazzo, cette saison. Et c'est pas Shengelia, calme-toi dans le chat. Shengelia, MVP de mi-saison. MVP de mi-saison, Shengelia, la Virtus, ils sont deuxième. Monaco, ils sont dans le paquet derrière. Alors, Mike James, ça a été très fort, mais tu me mets MVP, tu me mets Shengelia, moi. Moi, je suis dans le délire du most valuable player. Oui, le most valuable. Celui qui apporte le plus de valeur dans son équipe. Shengelia, c'est top. Campazzo, c'est top. Pour moi, Mike James, c'est au-dessus. Car je répète, t'enlèves Mike James de Monaco. Monaco, ils sont en train de se battre avec Milan. L'ASVEL et je sais pas qui. D'accord, c'est vrai. Mais par contre, la Monaco, ils se battent pour ne pas être dans le play-in. Une question, si t'enlèves Mathias... Ils vont être dans le top 6. Vas-y, Antoine, tu disais quoi? Si t'enlèves Mathias, le sort du Pana. Ah, c'est pareil. Ça joue. Oui, ça joue aussi, c'est pareil. C'est vrai. T'enlèves Mathias, je pense pas que Mathias, le sort, ait moins d'importance au Pana que Mike James n'en a à Monaco. Hé, Antoine, on t'a pas invité pour me casser les bonbons, dégage. Non, mais c'est vrai. C'est vrai, Moi, je pense pas. Je suis pas sûr de ça. On peut comparer ça. C'est incroyable. C'est incroyable ce qu'il fait Mathias Le Sort. Ok, Mike James. Et puis il y a. Mais Mathias Le Sort, silencieusement, c'est dingo. C'est dingo ce qu'il fait. Ce qu'il a mis à Monaco, franchement, fou. Le mec, il arrive à Paname, il fait le quai 54 l'été, et puis là, dans l'année, il fournit en Euroleague, mon gars. Made in Manila, mon gars. Martinique est fort. C'est une dinguerie. Non, c'est... Lui, par exemple, tu l'enlèves de son équipe. C'est compliqué, hein. C'est compliqué.
Et je suis d'accord pour Mike James. Après, ce que je dis sur le Real, ils concassent. Enfin, ils concassent et, ouais. Et les matchs où c'est chaud, ils arrivent à les gagner. Ils trouvent toujours un truc pour gagner. Et ouais. Alors, en effet, Campazzo, il a quand même un impact sur son équipe qui est aussi important. Maintenant, il a l'air monté au niveau au-dessus, clairement. Voilà. Mais je pense que, en fait, Campazzo, je pense que c'est lui qui leur permet d'avoir perdu que 3 matchs. Tu vois, le fait de perdre 3 matchs, c'est en effet, ils ont la même équipe que l'année dernière, mais Campazzo leur permet de passer un petit cap. Après, Mike James, en effet, tu l'enlèves, et ouais, c'est compliqué. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, tu avais Kemba Walker à l'ancienne. Oui, ok, tu enlèves Mike James, tu as Kemba qui prend le retour. Après, il faut aussi dire que Monaco, on dit qu'ils sont dans la meute, machin, mais ils ont quand même beaucoup joué sans Jordan Lloyd. Et on l'a vu quand Jordan Lloyd est fort, là, ouais. Très fort. Ça change absolument tout. Parce que du coup, ça enlève la pression à Mike. On a vu au Panathinaikos, ils se sont fait démonter parce qu'il n'y avait ni Eli, ni Jordan Lloyd. Et bah, comment ça s'appelle, Jerian Grant, il a fait un collet serré avec Mike James toute la soirée. Et bah, Monaco ne pouvait pas jouer. Donc, quand Jordan, il va enchaîner des matchs, ça va aller beaucoup mieux pour Monaco. On verra, Monaco, ils sont dans le top 6. Surtout qu'ils ont Lloyd et ils ont pris aussi, ils ont récupéré Okobo, quoi. Donc... Tout à fait. Ça ira mieux à partir de maintenant, même si leur calendrier est de coton, ça ira mieux. Okay, bah, il y a beaucoup de Moneke aussi dans le chat, là. J'ai passé le nom. J'en vois aussi. Chima Moneke à Vitoria, pas mal. J'en vois aussi. Ah, Moneke, c'est le most improved player, clairement. Ça, c'est sûr. Mais et Howard, je suis d'accord avec toi. L'année dernière, il jouait où, Marcus Howard? Pareil, toujours à Vitoria. Ouais. Et ben, lui, par rapport à l'année dernière, c'est pas trop mal aussi. Hein. Je trouve qu'il a gagné en régularité. Oh, c'est incroyable, il était déjà en mode pyromane l'année dernière. Non, mais là, c'était incroyable. Ouais. Hein. J'ai commenté l'image de Vitoria. Là, c'était incroyable. Moi, Simprouve, ouais, t'as Isaiah, il fait un vrai truc. Ouais. Hein, Vincent, il est trop fort. Ouais, mais il est trop loin niveau points. Sur les stats, il a 8 points. Ouais, mais ouais, parce que t'es. Après, en vrai, dedans, pour moi, les gars que tu dois mettre dans cette course, c'est, on est d'accord, c'est Campasso, James, Shengelia, et on n'oublie pas Shane Larkin. Alors, ok, son équipe. Tu parles de quoi? Tu parles d'MVP, là. MVP, ouais. Ouais, okay, ouais mais Ali, tu peux pas le mettre. Oh, non, mais si j'ai dit, ok, son équipe, elle est grave basse. Ouais, mais tu peux pas. Mais comment ils sont mangés des blessures incroyables. Commenté un match, ils étaient à 6-7 pros. Ouais, ouais. Les blessures qu'ils sont mangés, c'était un sketch. Et là, vous allez voir, ils ont récupéré tout le monde. Ça va être. Ils vont faire une remontada. Après, moi, j'aurai un débat plus poussé un jour sur justement le comparaison Larkin-James. J'ai mon idée et ma position. Mais... moi, j'ai toujours dit que Larkin était bien plus fort que lui. Hein. Mais pour moi, il est plus légendaire que pour l'instant que. Bien sûr, parce qu'il a gagné. Il a des titres. Tant que James, il peut dire ce qu'il veut, tant que James, il n'aura pas gagné plusieurs fois. Ouais. Bah, il ne sera pas au niveau d'Arkin. L'Arkin, il est impressionnant. Il est impressionnant aussi. Il est au-dessus, on est d'accord. Bon, on va parler après. Il y a un nom qu'on a oublié en MIP, c'est Alec Peters. Je suis d'accord. Je suis d'accord aussi. C'est Paul qui nous dit ça dans le chat. Il a raison. Une déception pour moi, je dirais Partizan. Parce que j'aime bien cette équipe. Ouais. Et je pense qu'il pourrait être un peu plus haut. Ouais, Partizan, ils ne défendent pas. C'est ça le problème. Ils ne défendent pas. Ouais. Partizan, ouais, Milan, forcément. Non, mais là, déception, il faut qu'on parle de Milan. À un moment donné, il faut qu'on s'arrête, il faut qu'on parle de Milan. Ouais, mais attends, parce que je crois qu'il y a juste 2 secondes, il y a Al Pacino là, qui était avec nous sur le chat là, qui voulait lui parler de l'Asvel notamment. Donc on va le glisser avec nous pour voir s'il peut. Récupère les gens. On peut même prendre Damien aussi. Il faut juste que ça enlève les micros en mute, les copains. Voilà, il y a Damien. Salut Damien. Tu nous entends, Damien? Ouais. Super. Salut Damien. Ouais. Salut les gars. Salut. Ben bah, écoute, salut. Tu voulais nous parler de quoi, Damien? Non, je voulais répondre à Alice sur Mike James. Je suis pas d'accord. Voilà. Ah, d'accord. Tu veux pour m'emmerder, toi. Allez, viens, Damien. Argumenter tranquillement. Non, je plaisante. Non, mais dis-moi. Quand tu dis que Mike James fait son équipe, ou en tout cas que quand il est pas là, ça va pas gêner Monaco. Regarde la saison dernière quand il a été suspendu, Monaco a presque mieux joué avec un collectif beaucoup mieux rodé et ça a gagné des matchs. C'était l'année dernière. L'année dernière, je suis d'accord avec toi, il était nuisible. Mais vraiment, que ce soit dans l'attitude ou dans le jeu, il est vraiment trop, trop fort. Sur cette saison, vraiment, tu enlèves, c'est chaud. Peut-être, mais le seul Mike James qui fera gagner Monaco et qui l'emmène vers le MVP, c'est le Mike James contre le Real, avec 15 points et 12 passes. Un Mike James qui est un... Ouais, d'accord, c'est le meilleur Mike James possible.
Ça, c'est le Mike James MVP. Le Mike James qui est à 25 points et 6 pertes de balles, ça ne sert à rien. Ouais. Bah celui-là, on l'a quand même très peu vu cette saison. On l'a pas beaucoup vu cette saison, ce Mike James-là. Et en plus, tu parles d'un des plus gros détracteurs de Mike James, je te jure. Hein. Moi, l'année dernière, si les mecs qui commentaient avec moi, ils me voyaient, j'avais des yeux qui pétaient un câble. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la saison dernière, pour moi, le meilleur joueur de Monaco, c'était Jordan Lloyd, clairement. Et là, je suis content de retrouver Jordan Lloyd, parce que Jordan Lloyd, il va aider Mike James à être le Mike James du Real. À être beaucoup plus détendu, beaucoup plus, tu vois. Avec John Brown en défense. Avec John Brown en défense, qui est mon chouchou. Et Alpha Diallo, faut pas oublier Alpha Diallo, qui est aussi mon chouchou. Bon, y a Al Pacino qui voulait parler de l'ASVEL. Vas-y, Al Pacino, on t'écoute. Oui, ben, bonsoir déjà. Salut, bonsoir, Al Pacino. Bonsoir, Ali. Et bonsoir, Antoine. Je vous parle un peu plus, parce que je suis fan de l'ASVEL, du coup. Désolé pour toi. Hein. Ouais, bah, je suis désolé, l'ambiance va être moins bien, mais je suis quand même des choses. Il y a des choses auxquelles je comprends pas. Déjà, au début d'année, on cut Franklin Jackson, qui est c'est quand même un scoreur très, très fort, et qui est quand même un triple niveau, c'est-à-dire qu'il peut tout faire en attaque, on le cut. Après, on joue à 8. Avec des vieillards dont Lighty qui est pour le déclin complet, qui fait peine. Udi, il a fini l'histoire avec Udi, mais j'aime beaucoup. Hein. Je suis fan de. C'était presque 8 ans qu'il a l'ASVEL, mais il n'a plus le niveau. Enfin, à la finition, c'est quand même catastrophique. Je trouve qu'il fait ses tirs, c'est un airball sur deux. Enfin, un de ses tirs extérieurs, c'est un airball. Ouais. Et puis on a Nando, je l'adore, mais Nando, Mike Scott. En défense, enfin, ça défend pas. Enfin, c'est très compliqué sur les attaques en pick and roll. C'est ce qui nous coûte quasiment pas mal de points. Enfin, ça nous coûte pas mal de points. Et puis maintenant, on a pris Deshaun Thomas qui est un très bon attaquant, mais en défense, c'est pareil, c'est très compliqué. Et surtout, bah, on n'a pas de rotation à nos pivots. Donc, il a souvent des problèmes de faute. Ah ouais, ça par contre, c'est l'enfer. S'il y a des problèmes de faute, on fait jouer l'Auvergne de 35 minutes, mais l'Auvergne 35 minutes, c'est pas possible. Enfin, pour moi, il y a un gros problème. Enfin, pour moi, c'est très risqué de faire ça, mais bon, de toute façon, la saison est finie. Donc, enfin, Euroleague, elle est finie, mais. Enfin, voilà, il y a plusieurs choses que je comprends pas cette année. Très déçu. Enfin, après, moi, dans le bracket, j'avais mis 15e quand même. J'avais pas mis, comme certains, ça. Top 10, mais. C'est quand même très décevant et enfin je suis très déçu. Je suis même pas déçu moi. C'est catastrophique. Si, moi je suis même pas déçu. C'est catastrophique. Non, mais il y avait quand même des attentes avec TLC. Il y avait des paris Franklin Jackson. Franchement, en fait, l'effectif est très vieillissant, je trouve. Et enfin, il est pas du tout au niveau. Enfin, après, bien sûr, il y a des problématiques de coach, de jeu, mais l'effectif pour moi n'est pas du tout au niveau de l'Euroleague en fait. Et déjà, quand on est à ton troisième coach. Vas-y. Il y a aucune stabilité, c'est compliqué. Ouais, bah justement, Antoine, Ali, vous qui avez été joueur comme ça, racontez-nous, est-ce que genre, quand tu changes de coach et tout, ça te donne envie de te, t'as un mec qui arrive, ça te donne envie de te battre, et puis au final, trois semaines plus tard ou deux mois plus tard, il n'est plus là. Enfin, ça t'aide pas quand tu dois jouer des compétitions comme ça. Vas-y, Antoine, fais-moi rêver. Moi, ce qui est compliqué, c'est que tous les changements de coach que j'ai connus, c'est pas que de la faute du coach, en fait. Ouais. Tu vois, c'était parce qu'il y avait une instabilité au club. C'est-à-dire qu'il y avait le président qui donnait son avis du truc, du machin, le clinique. Ça a été ça. Orléans, c'était un club politique. Puis Vincent s'est fait couper parce qu'il était en bisbille avec le président, qui était un merde. Bon, bref, il y a eu des trucs comme ça. À Vichy, c'était pareil. Tu coupes Jean-Philippe Besson, qui est un super gars, pour... parce que tu avais Sierra qui poussait pour reprendre et ça a été encore pire avec Sierra derrière. Voilà, ça faisait bien de mettre un nom comme Laurent Sierra en tant que coach. J'ai jamais vu un coach qui se fait couper et c'est que de sa faute en fait. C'est ouais, bon, bah ok, c'est entièrement de sa faute. Non, je pense pas. Et pourtant, je suis joueur, ça m'arrangerait de dire ça parce que nous, ça nous enlève tout. Ouais, bien sûr. Tu vois, mais à un moment donné, oui, que le discours ne passe plus et que tu trouves une solution pour que, ben. Tu fasses autre chose, d'essayer d'avoir de nouveaux résultats meilleurs, ok. Mais après, moi, ce que je trouve toujours dérangeant, c'est que tu peux pas couper un coach sans lui avoir permis de rééquilibrer l'équipe. Pour moi, t'as l'histoire de deux joueurs au moins. Tu peux, voilà, permets-lui de rééquilibrer l'équipe sur deux joueurs. Derrière, si ça continue à pas marcher, ok.
tu lui donnes 4-5 matchs, mal, ok, tu le cut. Mais ne pas donner la chance à un coach de rééquilibrer son équipe, tu vois. Et alors, je ne sais pas ce qui s'est passé à l'ASVEL, je ne sais pas du tout, j'y suis pas. Mais en attendant, le coach, le deuxième coach qui est arrivé, Campazzo, ah non merde, c'est le meneur, je suis un ouf, c'est pareil, Pozzico, non, c'est, ça faisait Zo, c'est qu'il y avait un Z dans le truc, bref, peu importe, Pozzico, là, le mec qui fait des bisous, et ben, lui, il a pas pu ramener de joueurs. D'accord. Donc après, encore une fois, je ne sais pas du tout. Ça se trouve, ça s'est très mal passé dès le départ. Le truc, c'est que lui, il a quand même voulu couper la rotation. C'est lui qui a voulu couper Frank Jackson. Oui, bien sûr. Il a voulu jouer à 8 avec un effectif de grabataire. C'est ce que disait Al Pacino, justement, oui. Bon, après, il s'est sûrement mis en danger comme ça. Mais ce que je veux dire, et moi, je suis très content que Pierrick Poupé, j'espère qu'il finira la saison, parce que c'est quelqu'un que je pense qui va découvrir, hein, qui va faire des conneries, c'est sûr, mais qu'aujourd'hui, pour une fin de saison là, ils ont un ego de ouf. Ils se la racontent et tout. Et Pierrick, il a vraiment pas l'air d'être comme ça. C'est mort. Ils vont ramener un autre mec. Ils vont ramener Vincent Collet. Ou alors ils vont essayer de récupérer. Non, pas Vincent Collet. Ou alors ils vont tenter une Gordon Herbert. Ça a pleuré hein, si c'est Vincent Collet qui vient, franchement. Bah, tu sais que Vincent Collet était sur le Tour de France avec l'ASVEL quand même. Ouais. Oui, mais bah, bien sûr, je sais. Mais les deux dernières campagnes d'équipe de France et l'année dernière, Bonne-Levalois, je suis désolé, mais c'est nul. Enfin, il y a rien d'enjeu, quoi. Après, à l'époque, après Vincent Collet. Alors, on peut dire ce qu'on veut, mais je peux pas dire qu'il y a rien d'enjeu quand c'est Vincent Collet. L'année dernière avec Mbayama, il y avait que ça, il y avait que Mbayama. Non, mais attends. Ouais, mais c'est particulier l'année dernière. Ça a rien à voir. Oui, ok, mais franchement, c'est chiant à regarder, quoi. C'était méga spécifique. C'était une équipe de G-League. C'était, fallait absolument faire un. Ouais. Crois-moi qu'il devait. Playbook, c'est pas que vous. Mais il y a quand même des fonds. Enfin, Ali, il te le confirmera, il le connaît mieux que moi. Moi, je l'ai eu qu'un an. Mais l'ayant côtoyé, Vincent, il devait se bouffer les doigts. Il devait être tellement à pas que les doigts, à mon avis. Hein. Non, pour laisser faire, en fait. Parce que c'est pas du tout son basket, en fait. Ouais. Alors, c'est pas du tout son basket. Alors, pour le coup, j'ai eu beaucoup d'années, que ce soit en équipe de France ou en club. L'équipe de France de l'année dernière, c'était absolument pas son basket. Après, je parle même de des mecs. Ah, l'année dernière avec Wemby, il a fait ce qu'il a pu avec la hype et machin. Bidule. Mais t'es obligé. C'était nul. Ils ont quand même fini en finale. Honnêtement, c'est une expérience de sa part. Hein. Il s'est adapté à l'environnement, il s'est adapté. Un truc qui arrive, c'est jamais arrivé. C'est un truc de fou, Wembanyama, que ce soit en France ou aux États-Unis. Donc, il aurait été con de puis il aurait été plus critiqué, d'ailleurs, je pense, à ne pas laisser faire et à vouloir à tout prix faire. Et parce qu'il n'aurait pas eu les résultats, sûrement, tu vois. Et au bout du bout, il a été en finale du championnat de France. Alors, oui, il avait Wemby, mais il était en finale du championnat de France. Il a fait la saison qu'il fallait. Il a perdu encore une finale, mais bon, tant pis quoi. De toute façon, même sans parler de Vincent Collet, pour moi, actuellement, c'est Fotoux et Julien Maillet, que j'aime beaucoup de Saint-Quentin. Pour moi, c'est les deux coachs français que je veux voir au niveau supérieur. Il y a une différence à l'idée entre les deux. C'est un projet à Bourg-en-Bresse, non ? Apparemment, il y a des trucs comme ça. Ça se passe bien après, oui. Au moins, il y a une différence quand même. C'est pour qu'il soit au niveau Euroleague. C'est pour qu'il joue en Euroleague. Sinon, il est très bien à Bourg. En vrai, je vois pas pourquoi il irait à l'ASVEL. Surtout, c'est Bourg. Oui, que l'Euroleague. Mais c'est pas garanti que ça se passe bien. C'est sûr. Franchement, c'est mieux contre. Pour moi, Bourg, il joue plus un basket d'Euroleague que Paris Basket. Oui, et de toute façon, c'est mieux quoi ? C'est mieux quoi de jouer les dernières places en Euroleague ou les meilleures en Eurocup ? Ça, pour une réputation de coach, je sais pas. Bah, moi, je pense que tu joues les meilleures places en Eurocup, c'est bien. Hein. Non, tu veux quand même coach Euroleague, faut arrêter de raconter des conneries un peu. T'es dernier en Euroleague. Tu vois Ryan Chabon dernier qui fait le parcours avec Ankara. Oui, mais est-ce que. Derrière, il monte d'un cran. C'est quand même un risque d'arriver. Après, il connaît la maison, mais c'est quand même un risque de partir. Un risque. Mais où il réussit et d'aller où il y a tout à faire, en fait.
C'est ouais, l'Euroleague, ouais. Les mecs, ils veulent coacher au plus haut niveau. Ouais, après, le plus oui, gros ça, risque. Ça. Je suis d'accord, je suis d'accord. Le plus gros risque. Après, ça se trouve, ils pourraient faire l'Euroleague avec Bourque, hein, tu sais pas. Oui, s'ils gagnent l'Eurocup. S'ils gagnent l'Eurocup, ils sont l'Euroleague. On va en arriver après sur qui va rejoindre l'Euroleague, mais on n'a pas mis Bourque dans les prétendants, quoi. Non, ça c'est sûr. Moi, je voulais juste rester sur les déceptions un petit peu, parce qu'a priori, il y a Arda là qui est chaud bouillant qui nous attend. On va le faire passer avec Arda, nous. Là. Mais tu peux le switcher si tu veux, Yann. Mais il est juste en bas. Il voulait parler du Fener, je crois, et de Jonathan Motley. Arda, tu peux te démute et tu peux vas-y. T'énerver, c'est parti. Fenerbahçe Kumbaya. Je vais se couper. Ok. Bon, bonsoir. Salut, bonsoir. Arda. T'as un son incroyable, Arda, ouais, le boss. Merci. Oui, Arda. Les casques de jeunes. Hein. Oh là là, quel boss. Gars. Ça va. Doucement. Quel boss. On se calme. Non, respect. Les gars, on est le 22 janvier. Dans une dizaine de jours, on joue l'Asvel. Moi, j'ai peur. qu'est-ce que je vais croiser sur place. Mais j'ai peur de notre secteur intérieur. Voilà. Motley, Papagiani, Chani. Motley, j'aime bien. Ça fait deux ans, on vous tape. Hein. Mais Motley, cette année, il a stagné de ouf. Alors que l'année dernière, c'était un monstre. Ouais, mais il avait des problèmes de faute l'année dernière. Énorme. Il a toujours ses problèmes de faute. Ouais, et il est moins bon que l'année dernière maintenant, en plus. C'est quoi son prénom à Motley ? Jonathan. Jonathan. Parce que c'était Pata. Oh non ! Putain ! Bravo ! Allez, bien. Il a un très bon match de foot. Tu as gagné une place de consultant chez Squeak pour remplacer Litra Oroni au des blagues. Grave. Un concours avec Stephen. Vas-y, viens, rejoins-nous, mec. Non, mais vas-y, Arda, vas-y. Dis-nous pourquoi le Fener, ça te plaît pas cette saison. En fait, je comprends pas pourquoi on n'y arrive pas, quoi. Sachant qu'on n'a pas Pedjanis qui sort d'une grosse saison avec le Pana. Motley, du coup, qui a quand même assez bien joué l'année dernière. Et Chandler, Chandler, quoi. Et je comprends pas pourquoi on n'y arrive pas. Sachant que. Sûr. Pardon ? Juste turc ? T'es d'origine turque ? Ouais, t'es turc. Il s'appelle Arda, tu connais pas Arda Turan ? Arda Güler. Ouais, non, je sais pas. Désolé. Je connais Herman Kunter, moi, c'est tout. Non, mais. Coup, ouais, votre avis sur pourquoi ça va pas, quoi ? Je comprends pas trop si la relation avec le manager, le coach. Parce qu'entre FS et Fener, les blessures, c'est un sketch. Ouais, là encore, ils viennent de perdre Nigel Hayes-Davis, ils viennent de perdre Dyson Pierre, ils ont perdu Papagiannis. Ils ont signé Amine Nou au Fener. Pour un mois. Ouais, ils ont plus poste 4, donc du coup, ils ont signé à Minois. Le problème, c'est que c'est pour un mois, quoi. C'est ça que je comprends pas trop aussi. Même si je crois qu'il y a une option de 5 mois. Ouais. Pour finir la saison. Ouais. Ouais, ils veulent le tester pour être sûr. Ouais, c'est une bonne idée. Le problème, c'est que ces équipes-là, c'est les blessures. Hein. Mais est-ce qu'il peut s'intégrer dans le système Yeskevicius en un mois, déjà, je pense pas. Sans rentrer dans les détails, c'est compliqué. Ouais, c'est pointu, hein, le basket de Jacques Vicieux. Ouais, mais bon. Ouais, c'est compliqué. Non, ouais. Je sais pas ce qu'on pourrait faire s'il faut recruter, si je sais pas. Ils font la direction, elle fait rien. Oui. Après, t'as une traction arrière qui est quand même correcte. Avec Mbukin et Calates. Après, je sais pas comment il est dans la relation avec Saras par rapport au Barça. Ça a l'air de très bien se passer, moi, je trouve. Ah ouais? Je m'attendais vraiment à un carnage et au final, Calates il fait ses matchs, des fois il met 10 passes. Franchement, il joue. Hein. Ouais, mais ils ont dû parler au football homme. Voilà. On peut pas le critiquer cette saison. Ouais, je coupe, mais en parlant de blessure, je sais pas si vous venez de voir là, il y a Minuti 9, il s'est blessé en marchant sur le pied de son coéquipier sur un repli. Il est sorti quasiment sur Sivir. Non, Sivir. Pas Sivir, mais genre. Vache. Il est resté au sol allongé longtemps. Regardez l'image, elle est incroyable. Non mais c'est pas pour Adouyali, Nicolas, où il est trop con. Son pote, son coéquipier, il court et lui, je sais pas pourquoi, il lui fait une queue de poisson là, il court devant c'est lui. C'est un truc de ouf. Bon bref, c'était une aparté, mais après pour le Fener, je te dis, après c'est pareil. Hein. Ils ont eu des blessés comme Diali, comme Anadolu, voilà les fesses. Maintenant, il y a une différence aussi, c'est que les fesses, tu vois, ils sont premiers en championnat turc et ils ont tapé deux fois le Fener, je crois. Donc, Mais après, le championnat en vrai, non, on s'en fout un peu. Mais quelle rivalité, gros, c'est mais pas attention, quand t'as, tu vois, t'as pas envie que ce soit tout le temps les fesses qui prennent le championnat, tu vois, c'est. Attention, tu vois. Alors, pour notre défense, l'année dernière, on a eu un Will Clyburn générationnel, 37 points, je crois, il marque. Pour la finale
on peut rien faire. Franchement, c'est pas trop notre faute là-dessus. Ouais. Mais ouais, en vrai, moi je pense que tant qu'on joue les playoffs, histoire de pouvoir jouer la phase finale, ça suffit quoi. Ouais. Faut pas trop se forcer ouais, pour bien jouer la sûr. finale. Ouais, après, si tu fais pas les. Tu fais pas les playoffs d'Euroleague et que tu joues tout. Tu vois, tu finis 7e ou 6e ou 8e en Turquie, c'est pas. Tu vois, le club, il va. Mais tu sais Ça que reste les un club Tunis, ils vont seul. sauter justement parce qu'en championnat turc, ils sont pas Ouais. premiers. EuroLeague, Ouais. ça va pas, en championnat turc, ça va pas non plus. Tu Ouais. perds contre Efes, tu perds contre Gala, tu perds comme Beşiktaş, ça va pas. On a Donc, perdu contre Galata? je sais pas Ouais. si on perd contre Gala, mais je dis ça comme ça. Ouais. Ouais, bah Crois que évite, s'il te si. plaît. Je crois pas. J'aime pas trop ça. Escroc, vous voyez, escroc. J'aime pas trop ça. Ouais, bah, en fait, le problème, pour accrocher un Final Four, si on n'a pas d'intérieur, c'est compliqué. Ouais, Même ouais, mais si ça, c'est il peut bien. marquer ses 30 points derrière, si ça défend pas dedans, etc. Bah... J'ai Alors, c'est l'impression vrai que qu'on les est. Fener, ils ont une déf... il n'y a pas de protection de la raquette. Hein. Ouais, c'est ça. Ouais. Contre Kaunas, frère Birutis, c'était Nikola Jokic, Shaquille O'Neal et Hakeem Olajuwon en même temps. Et pareil pour Kevarius Hayes, ce n'est pas les meilleurs pivots du monde. Hein. Et Ah bah ils sont malades. le rim protection du Fener est très mauvais, pour le coup. Après, il y a une pénurie de big men qui est incroyable en Europe et partout. Hein. Tu regardes là, par exemple, en Betclic, il y a plein de clubs qui cherchent des intérieurs. Bon, c'est pour ça que j'ai Et repris le basket. ah ouais. Je signais, les gars. Nous, mais ça Vas-y, on a bah, quand Ali, Ali, viens en Turquie. Viens, Eh, Istanbul. bah, il n'y a pas de problème. Moi, je suis au Fener, au calme. On Et moi, je travaille suis bien pour les Jeux Olympiques il 2024. pourra tirer les Travaille mêmes dans ce tremble. ouais, il pourra tirer les mêmes lancers que Jonathan Motley, il n'y a pas de Ouais. problème. Ah, Motley, il a droit hein, au lancer. Enfin, à droit, entre guillemets, pour sa taille, il a droit, mais enfin bon. Il doit pas Non, avoir un mauvais pourcentage. est-ce que vous avez d'autres déceptions dont vous voulez parler là avant qu'on passe à l'autre sujet? Milan! Milan, allez, vas-y, Milan, Milan, ouais, à un parce moment donné, vu les que frérots, t'as faut qu'on une parle de bible, Milan, faut vas-y. qu'on parle du cas Ettore Messina, qui est un grand coach, il n'y a pas de souci, mais à un moment donné, il faut arrêter 2 minutes. Les résultats, ça ne va pas depuis la saison dernière en Euroleague, on est d'accord. Ils l'ont re-signé jusqu'en 2026, je ne sais pas quel dossier il Non a sur mais Giorgio Armani, ce que mais à un disait moment donné, il faut arrêter. oui, mais Ça c'est ne va pas, ça va pas. Non mais c'est lui de toute façon mec qui décide de qui il faut signer, qui doit Ouais. prolonger. Donc de toute Il a façon tous les pouvoirs. mais oui, donc Oui. au final il va pas se virer, hein, il y a pas de problème. Mais à un moment donné, le président, il va se dire, bon, ça va pas trop là. T'as, je sais pas, ça fonctionne pas avec tel joueur, tel joueur, tel joueur, tel joueur, tel joueur, tel joueur, tel joueur. À un moment donné, tu dis, c'est peut-être le coach le problème. Ouais, mais Voilà. tu dois avoir. C'est pour ça que dans des clubs, je pense que il fait partie de ces clubs où il n'y a pas de contre-pouvoir, quoi. C'est-à-dire que Ouais, c'est ça. tout pouvoir au coach, et puis il fait ce qu'il veut, et tu peux jamais mettre un coach, ou même un joueur, au-dessus d'une entité, en fait. Ouais. Tu peux En pas plus, mettre un club, tu vois, leur jeu, d'après. il est chiant. C'est le jeu des débuts des années 90 qu'on a gagné avec le Kinder Bologne. Franchement, comment t'es Tu as Milan, regardé c'est des bouts, relou. Ali? Est-ce que tu as regardé des bouts de Valence Milan vendredi soir? Ah non, mais c'est un enfer. J'ai regardé des bouts, J'étais j'ai zappé. fatigué. J'ai J'étais zappé. fatigué. Valence J'ai Milan, commenté ce match. C'était horrible. Franchement, c'est c'est épouvantable. peut-être le pire match que j'ai vu cette année ou que j'ai commenté cette année sur Squeak. Et j'en ai commenté quelques-uns. Et Ouais. celui-là, franchement, c'était dur. C'était dur. Lequel? Voilà. Le Valence Milan. Valence Milan, Ah ouais. vendredi soir. Ah oui, on a eu des messages, Ouais, effectivement. j'ai fait le résumé, il était pas fou. C'était Wow. dur. C'était dur. Non, Épouvantable. mais Milan, c'est incompréhensible. Bon, déjà ici, bon, là, t'as pas Virotic, t'as pas Mao Dolo quand même. Donc, t'as quand même un gros axe qui est blessé. Mais derrière, les mecs, les performances, elles sont en dents de scie. Ils te mettent 30 points sur un carton et ils te mettent 2 sur le suivant, quoi. Et Et c'est vraiment ça. la gestion de Ismaël Kamagaté, donc qui est parti de Milan, vous en pensez quoi? Parce que c'est quand même un vrai gâchis là pour le coup. Elle aurait dû. Ça J'aime bien. dépend. Ça dépend s'il a du temps de jeu et qu'il puisse se remettre dans le bain et qu'il revient l'année prochaine et qu'il a du temps de jeu. S'il est encore sous contrat, c'est un prêt. Ça dépend. Ouais. Toi, ça t'a pas gêné de le voir pas être utilisé, quoi. Ah si, ça m'a gêné. Mais justement, je préfère qu'il parte là et Ouais, qu'il moi ait je suis du temps de jeu d'accord. ailleurs qu'il reste sur le banc toute la saison. Ouais. Ok, Et que mais peut-être ça que voilà, il va. soit Ouais. meilleur, il revient l'année prochaine et là il jouera l'année prochaine. Mais il fallait clairement pas qu'il reste sur le banc au bout du banc de Milan comme ça. Faut Surtout jouer, quand c'est faut jouer. un joueur relativement jeune. Il a quel âge, Ismaël Kamagaté? 22 ans. 22? Ouais, il est jeune de Il est jeune fou. de fou. Ouais. Ah ouais. Il y a un Bon. mec qui dit, Messina vit sur ses titres honorifiques d'il y a 15-20 ans. Ouais, c'est joueur Eh rythmique, ouais. ben, je suis d'accord. Et avec le fait Messina, que c'est Napier Limoges, c'est la question. et le fait que Napier soit revenu là, c'est pas mieux? Ça n'a rien changé du tout. Ouais. Donc à un moment donné, il faut quand même se poser la question du coaching.
Ouais, ouais, bah oui. Faut mettre Vincent Collet. Ouais. Voilà. Donc, Mirotić, moi, je ne sais même pas ce qu'il faut à Milan, parce qu'ils ont déjà... L'argent. À ce poste-là, ils ont déjà trop de monde. Des fois, Mirotić, je joue poste 3, s'il te plaît. L'argent. Ça n'a aucun sens. Le bifton. C'est ce que je vais demander. La, oui. La moula. La mentalité des stars du Milan, je ne comprends pas trop. Enfin, maintenant, ils ont fait revenir Neipir, mais bon... quand tu joues avec Meli et Mirotić dans le 5, c'est quand même bizarre, non? Pangos, il est allé où, là? Il a rien? Si, il est retourné... attends. Valence, il est à Valence. Ils ont joué la contre il est, l'autre. Il n'est pas meilleur à Valence. Hein. Non, il est pas... Moi, j'aimais bien ce joueur. Hein. Je trouvais bon. Mais bon. Ouais. Ouais, voilà, il a fait petit match. Ils ont eu la 3-3 contre le Žalgiris sur le premier. Et là, je sais même pas. Ce Valence Milan, en fait, je l'ai effacé de ma mémoire. Tu vois, c'était vendredi. Je me souviens ni du score, ni de ce qui s'est passé. Terminé. Parce que Valence, il joue pas si mal que ça. Non, hein, il est dégueulasse en basket. Il défend dur, mais il met pas beaucoup de points. Il est dégueulasse là en basket. C'est bon. Ah, de toute façon, Ali, quand il n'y a pas d'attaque, quand il n'y a pas une attaque. Ouais, mais, est-ce qu'il vaut... mais est-ce qu'il vaut mieux être dégueulasse et être dans le play-in ou est-ce qu'il vaut mieux avoir un jeu flamboyant et être. Ah, bah, on connaît la réponse. Ah, voilà. Ils sont dégueulasses et ils ne sont pas dans le play-in non plus. Hein. Ouais. Ouais, ça c'est sûr. Putain, c'est dur hein, quand même. C'est mieux, franchement, moi je trouve que c'est mieux l'Asvel depuis qu'il y a Pierrick. Je sais pas comme ça. Mais... Ah, c'est pas compliqué en même temps. Il a essayé de réimpliquer les gens. Il a essayé, je pense qu'il va faire au mieux, tu vois. C'est... Mais le banc avait l'air de bien s'entendre. Enfin, j'étais au match juste derrière le banc face à le Valois. Bon, après, c'est facile, hein, c'était une victoire. Mais le banc avait quand même l'air réceptif à ce que disait Pierrick. Et puis, il avait l'air d'avoir une bonne ambiance quand même. Tout le monde au bout d'un moment, t'as pas le choix. T'as viré deux coachs. Ouais. Dès que Mbaye mettait son 3 points, tout le monde était content, tu vois. Non, puis il y avait une vraie rotation. C'est ambiance de victoire, hein, tout le monde est content, mais bon. Ouais, vas-y, ouais. Damien, tu voulais dire ? Non, je disais qu'il y avait simplement, il a ouvert le banc, il a fait une vraie rotation, les jeunes sont rentrés, ça a mis un peu de rythme, ça a permis aux vieux de souffler. Après, les vieux sont revenus mettre les choses au clair pendant le match. C'est juste ça, en fait, c'est faire jouer l'effectif qu'il a en essayant de mettre les meilleurs gars au meilleur moment. Et là, ça a cliqué direct. Alors après, il a l'expérience qu'il faut qu'il crée en Euroleague. Et ça va être hyper dur parce que vous parliez des coachs en Euroleague, de Collet et des autres. C'est hyper dur de rentrer, c'est une ligue fermée pour les coachs aussi en Euroleague. Hein. C'est tous les mêmes qui changent de siège d'une année sur l'autre. Il y avait une question comme ça qui est passée, là. C'est Benoît qui disait ça. Et, c'est déjà difficile pour les coachs parce que c'est une ligue fermée, mais il disait que les coachs français n'étaient pas respectés à l'étranger. Vous en pensez quoi? Non, c'est... Bah, pour ça, il faut dire qu'il y en a un qui se démerde pour aller à l'étranger et qui soit bon. C'est qui le dernier coach étranger qui a cartonné à l'étranger? Bah, je te demande. Il y a Greg Beugnot à l'époque qui était parti à Paris. Voilà quoi. Donc pour être respecté à l'étranger, faut qu'il y en ait un mec qui soit bon, qui va à l'étranger et qui est bon à l'étranger. Là, on aura peut-être du respect pour les coachs français. C'est tout. Beugnot à Paris, ils ont fait les deux du tout. Il y en a un qui a l'expérience de coaching à l'étranger, mais qui a été assistant et très bon. C'est Dumas. Ah oui. Ouais. Oui. Il a été. Où est-ce qu'il a été assistant? Mais pendant des années, il était en Espagne. Il a joué là-bas, il a beaucoup joué. Ah, là-bas, en Espagne, je sais plus où. Mais ouais. Et il était assistant, mais je crois. Attends, il n'était pas assistant de Gia Kalakovic? Ouais, possible. À Grande Canaria? Ouais. Ouais, il était assistant à Grande Canaria, ça c'est sûr. Voilà. Et ce mec-là, lui, tu vois, je serais curieux. Après, bon, je ne le connais pas et je ne sais pas. Tu as des assistants qui sont très, 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 très bons assistants, mais. Ils veulent pas ou voilà, n'ont pas la carrure pour être coach, mais lui, tu vois, c'est tu parlais de coach français, lui, il a fait assistant longtemps. Pourquoi les coachs français sont pas respectés à l'étranger? Parce que les coachs français, ils restent en France et ils coachent en France, donc du coup, bah, les mecs d'étrangers, ils les connaissent pas, c'est tout. S'il y en a un mec, un petit jeune qui débarque, je sais pas, moi, un Fotoux, un Mahé, qui décide d'aller coacher dans un bon club de rocket pour commencer, etc., ça changera peut-être. Ali, il y a quand même, pour moi, il y a un monde d'écart pour l'instant entre Mahé et Fotoux. Fotoux, il a coaché le Valois. Pour le coup, Fotoux, il est vraiment très, 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 très. Ouais. Et puis même, il est plus serein. Mais Mahé, j'aime beaucoup, hein. J'aime beaucoup. Ouais, mais tu vois, quand je disais les jeunes qui sont bons, mais qui ont, pour moi, Julien Mahé, il est mis en place, c'est top, franchement. Objectivement, c'est trop bien. Enfin, comment il fait jouer son équipe, comment. Maintenant, la première chose, c'est prendre une équipe plus forte avec des égos, parce que c'est un genre de coach. C'est ça, c'est ce que je voulais dire. Il faut des égos. Si t'as des égos, il ne vire pas, quoi.
Ouais. Je pense pas qu'il dire. Parce qu'il est jeune. Et, il a, et lui, il a, et si tu veux, il ressort une image d'un mec, enfin moi j'ai trop de mal, hein, d'un mec, mais grave pas humble en fait. Grave pas humble et grave, genre, je me la raconte. Et ça, wow, c'est, après tu c'est pas... Ouais, enfin, moi j'ai du mal. Oh, je trouve pas. Mais c'est clair que le vrai test pour les coachs, pareil pour Thomas Sisalo, hein, qui est aussi le coach montant. Ouais, c'est avoir des égos dans l'équipe. Le vrai test pour un jeune coach, c'est de passer à coacher des underdogs, des jeunes qu'on a dalle, à des joueurs référencés, à des superstars et des mecs plus vieux qui accepteront pas de s'entraîner 15 heures par jour, qui accepteront peut-être pas de se faire crier dessus comme des chiens tout le temps. Et ça, c'est un vrai test. Une fois que si je vois ces mecs-là coacher ce genre d'équipe et réussir, pour moi, c'est plus facile de coacher des jeunes qui ont faim et des underdogs comme à Paris Basketball que de coacher bah, des équipes comme Monaco où tu as des égos dans tous les sens à part. Et tout ça, Ali, Fotoux, il l'a fait. Quand il avait Jason Rich à Paris, tu vois, il a eu Jason Rich, il a eu une équipe là où il avait que. Quand il y avait Poirier, Labéry encore là-bas. Ouais, il utilise une équipe de Kaira. Tu vois. Ouais, mais ce que je veux dire, c'est que Rich, c'était un ancien, un Ricain, un ancien. Je pense pas que c'était le mec qui voulait. Enfin, comme tu dis, c'est la gestion après de meilleurs joueurs avec plus d'expérience. Et ça, et je trouve que les nouvelles générations de coachs. Et un mec comme, par exemple, je vais essayer d'être objectif parce que basketement, je joue pour lui et basketement parlant, j'aime beaucoup ce qu'il met en place. Après, humainement, c'est très différent. Et puis, bon, bref, c'est une histoire entre nous, mais c'est Elric Delors, en fait. Delors, c'est pareil. C'est, pour moi, comment il t'entraîne, comment il te prépare à un match et comment il comprend le basket, purement basket, mais c'est topissime. C'est vraiment bien. Elric, il est intéressant aussi. Elric, il est super intéressant sur ce qu'il met en place. Son gros problème, c'est qu'il ne faut pas d'ego. Ouais. Et c'est ma façon de faire, pas autrement. C'est en gros. Voilà. Et ça, c'est. Pour moi, c'est. Mais bon, voilà, les mecs, ils vont apprendre. Hein. C'est comme. Nous, à 25 ans, quand on jouait, ou nous, à 35 ans, quand on jouait, on n'était pas pareil. Tu vois, c'est la même chose. Il y a un mec. Pour moi, il y a l'exemple de Sacha Obradović que j'ai eu à Berlin. C'était l'armée. On n'avait pas le droit de parler. On n'avait pas le droit de rigoler dans le bus. On n'avait pas le droit de parler. Gros, et pour moi, tu sais comment, pour moi, c'était un enfer de ne pas pouvoir parler. Ouais, tu m'étonnes. Ouais. Et le mec, il monopolise la parole depuis une heure et demie. Et une heure et demie, il te dit oh, moi, si je ne parle pas, c'est un enfer. On a compris, Ali. Hein. Voilà. Ce jeune, ce coach-là, ce Sacha Obradović-là, il n'aurait pas pu réussir à Monaco. Il est obligé de mettre de l'eau dans son vin. Parce qu'il a des stars, parce qu'il a de l'ego, parce qu'il a ceci, parce qu'il a cela. Et je vous dis, ça, c'est vraiment le test ultime pour les jeunes coachs. Parce qu'un jeune coach, il veut toujours en faire trop. Il veut tout contrôler. Il veut pas de moutarde, pas de ketchup au repas, machin. Et le mec va te regarder, va te dire, hey, à qui tu parles, toi? Tu vois? Ça, ce genre de choses, il faut réussir à le gérer. Les jeunes coachs, ils en font toujours trop. Donc voilà, ce sera la bascule. Pour voir si c'est bon que j'ai dit, c'est vrai qu'il y a Guillaume Vizade aussi qui est intéressant, j'ai vu. Sylvain Delorme. Après, voilà, c'est. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le meilleur coach français actuellement, c'est Freddy Fotoux et il a tout pour coacher au niveau supérieur. Ouais, mais je suis assez d'accord. Bon, on parlait de l'Euroleague là, pour faire le bilan de mi-saison, on a parlé des déceptions et tout. Vu que le temps avance et qu'il nous reste encore une demi-heure et qu'après, il y a un autre sujet dont j'ai envie de parler, on voulait parler de qui doit rejoindre l'Euroleague en premier. Dans les saisons, les années à venir, est-ce que c'est Paris, est-ce que c'est Londres ou est-ce que c'est le dernier dans la course qui vient d'arriver? Est-ce que c'est Dubaï? Yann, est-ce que tu peux nous resituer ça un petit peu, là, vite fait? Alors, resituer sur les trois équipes? Alors, bon, surtout sur la dernière. Là, parce sur que... Dubaï ouais. Sur Dubaï, bah ouais, on peut revenir dessus. Alors, comment ça se passerait aujourd'hui? Il y a des discussions, est-ce que Dubaï pourrait intégrer l'Euroleague? S'ils intégreraient l'Euroleague, ce serait évidemment avec, en tant qu'invité pour un an, voire bon, trois, mais ça serait étonnant, ce serait au moins un an. Et pourquoi on a cette discussion-là? Parce qu'ils seraient prêts à sortir les billets comme il faut, avec notamment déjà un sponsoring de l'Euroleague à 150 millions, plus 1 million par équipe pendant 5 ans. En tout cas, c'est les premiers chiffres qu'on a, c'est les premières idées, hypothèses qu'il pourrait y avoir autour de cette île-là. Et aujourd'hui, on dit qu'environ... Il y a 50% de chances que ça intègre l'Euroleague, donc 50% de chances que ça ne le fasse pas. C'est quelque chose où on sait que la tradition du basket n'existe pas aux Émirats Arabes Unis. Maintenant, s'ils viennent, on sait que c'est
Voilà, pour l'argent et aussi certainement parce qu'il y a l'idée de copier la plus grande ligue de sport au monde qui est la NBA et donc de s'étendre à l'international et d'aller plus loin que ses frontières actuelles. C'est quoi un million par équipe ? C'est quoi ? Qu'est-ce que tu veux dire par un million par équipe ? En fait, il y aurait chaque année, pendant 5 ans, Dubaï, le club de Dubaï donnerait 1 million aux autres équipes. Waouh, ça veut dire qu'il va jouer contre des... Il arme les autres équipes tout en équipes tout en jouant contre eux. Wow. Exactement. En fait, il achète un peu le vote. Enlève-le un peu, Max. T'en penses quoi, toi, justement, Antoine? Moi, j'en pense que Dubaï, jamais je les fous en Euroleague et que je vais choisir entre Paris et Londres. Let's go! Faut arrêter les conneries. Bah, après, le problème, Antoine Eto, il n'est pas capitaliste. Voilà. Si je pense comme moi, je vois le basket et avec mon âge et ma façon d'être, je vais te dire ça. Mais après, si je vois d'un point de vue business, c'est sûr. Tu vois Afrique, tu mets Dubaï et les autres, tu les emmerdes. Mais est-ce que, comme tu dis, attends, tu vas aller jouer au Pana, tu vas aller jouer à la Stark Arena, tu vas aller à Dubaï. Oh, ouais. Tu vas faire du shopping. Ah ouais, super. Je sais pas. Toi, t'en penses quoi, Ali? Toi, ça te plairait, de voir Dubaï là? Au-delà des considérations économiques que l'Euroleague ne pourra pas refuser, faut pas rêver, les mecs, ils refuseront pas, parce que c'est beaucoup trop d'argent sur la balance, 150 millions plus 1 million par club, en sachant que les mecs, ils vont aussi choper un gros coach, choper des gros joueurs, etc., 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 ils refuseront pas. Ça, vous êtes sûr, Dubaï sera en Euroleague. Au-delà de ça, si je dois choisir, à part Bourg-en-Bresse, qui, sportivement, mériterait d'aller en Euroleague, enfin bref, c'est un autre délire. Forcément, moi, je suis plus entre Paris et Londres, je choisis Paris, parce que Paris, le projet est là, Londres, ça fonctionne aussi, mais Paris, c'est beaucoup plus basket que Londres. Tu vois, sachant que Londres, ils sont sous investigation, je ne sais pas si vous êtes au courant. Ah ouais ? Je ne sais pas. Avec leur... comment ça s'appelle là-bas ? On a un joueur qui jouait là-bas, et j'avais entendu ça, comment c'est leur... le 3... je ne sais plus comment ça s'appelle, le gros investisseur là-bas. Les Peaky Blinders. Comment ça s'appelle, tu dis? Les Peaky Blinders. T'es con, toi. Non. Je sais plus comment ça s'appelle, c'est une société. Apparemment, il y a un truc en cours, il y a une investigation en cours là-dessus. Donc, Ok, bah c'est pareil, du coup. Au-delà du fait que, Dubaï, moi, compte totalement, 100%, zéro problème. Et tu sais quoi, ils peuvent mettre tout l'argent qu'ils veulent. Non. Tout l'argent. Ils viendront quand même et tu gardes ta casquette sur la tête et tu iras à Dubaï. Si tu veux prendre Dubaï, tu fais faut casser l'Euroleague. C'est-à-dire tu dis on fait plus l'Euroleague, on fait la NBA. Mais vraiment clairement, tu fais deux conférences, conférence ouest, conférence est, et tu fais t'y vas et tu joues à 30 l'Euroleague. Vas-y franchement. Oui, donc tu fais monter, faire rentrer Dubaï pour faire rentrer Dubaï, ça n'a aucun intérêt. Ni pour les fans, parce que tu vas. Si tu fais rentrer Dubaï, soit tu fais une extension, soit tu mets une équipe dehors. Tu mets qui dehors? Tu mets l'Étoile Rouge, tu mets le Partisan, tu mets Valence dehors. C'est ça qui est chiant. Choisir. Parce que franchement, quitte à racheter Dubaï, autant donner une licence permanente à l'Étoile Rouge et au Partisan. Carrément. Bien sûr. Comme ça, en plus, cette année, comme le Pana, ils reviennent super fort, t'as les 18 000 du Pana qui sont là à tous les matchs, t'as les 22 000 du Partisan, t'as les 22 000 de l'Étoile Rouge, là, ils sont en train de battre le record d'attendance. Mais... Ouais. Voilà, de toute façon, l'Euroleague a besoin du Partizan et de l'Étoile Rouge. Mais alors, le Partizan, c'est trop incroyable. Il faut que ce club reste tout le temps, bien sûr, c'est trop important. Donc, oui, s'il faut que quelqu'un parte, Valence, merci pour tout. Il y a Berlin aussi. Ouais, bien sûr, il y a Berlin. Après, c'est pas dit que ça reste à 18. Et le Bayern. Le Bayern aussi. Ouais, après, ils ont leur ticket, ils sont dans les 13. Le Bayern, ils sont dans les 13, donc ils bougeront pas. C'est comme l'Asvel, quoi. Même si c'est claqué, ça ne bougera jamais. C'est claqué. En vrai, Berlin, c'est un autre délire. Ils prennent des jeunes, ils développent des jeunes. Voilà, tout le monde le sait. Mais le truc, c'est qu'à l'Asvel, on ne sait pas c'est quoi vraiment leur projet. C'est et ça, vous allez voir, l'Asvel, ils vont faire 10 sur 14 sur les 14 derniers matchs de Euroleague et on va tout Je suis tout de suite. Ce serait ouf. Ils finissent à 14 victoires et ils disaient... Pierre Poupé, coach de MIP des coachs de Euroleague. Hop. Le record, il est à 13 depuis qu'ils sont revenus en Euroleague. Donc, on s'accroche un petit peu quand même. Ouais. Est-ce qu'ils ont gagné dans leur nouvelle salle, au fait?
La LDLC non. Non, je crois pas. Ils ont pas gagné encore. Non, non, victoire contre Zalgiris et Étoile Rouge, c'était à l'Astrobal. C'est ça. Attends, ils ont failli gagner face au Real. S'en souvient, avec Ali, on avait vu un match de fou. Face au Bayern. C'était à la LDLC. Ouais, c'était à la LDLC. C'était incroyable. Elle est loin avec des faillis. Hein. Attendez, j'ai une info là. Il y a la secrétaire. Attendez, il y a la secrétaire de Squid, Cyril Méjeanne, qui a dit que le comment ça s'appelle le partenaire là de Londres, c'est 777. 777. Ouais, c'est ça. 777, voilà. C'est un truc comme ça. Voilà, merci la secrétaire. Ça va bien. Non, c'est. Ça, c'est ce qu'il dit. 777, Ciel. Mais c'est la banque d'investissement, BBL. Attends, BB Hill. Ouais, British Basket. Attends, tac. C'est pareil. Ouais, si tu veux mettre Paris. C'est 777 par ça. Oui, c'est les mêmes. Et je te dis, ils sont sous. C'est sûr, ils sont sous invest. Donc, vas-y, Paris. Hein. Dubaï, non. Bah, après, c'est par contre, je suis d'accord. Paris. T'as un problème Dubaï, d'équilibre, Antoine. L'argent. Mais s'ils mettent l'argent, Fred, on est mort. C'est mort. C'est l'argent, c'est le nerf de la guerre. Pas de l'argent. Enfin, je sais. Et imaginons, là, le Relic dit non, 150. Ils sont capables de venir avec 200 000. Ils dansent bien millions. Bien sûr. Ils n'ont pas de problème. Ils vont venir, ils vont donner un tigre bébé à chaque équipe aussi. Hop, toc. Ils auront des tigres d'appartement au cas où, tu vois. Bam. Non, terrible. Et terrible. Moi, par contre, j'ai peur que ça tue un peu aussi une certaine compétition où, en fait, là aujourd'hui, par exemple, le joueur le plus cher, il joue à l'Anadolu Efes. Ah bon Sean Larkin. Ouais, oui, c'est Sean Larkin. Là, il a 5 c'est millions. Pas Mirotic. Non, il a non. 4 millions et quelques millions. Voilà, et c'est Larkin qui a 5. 5, ouais. Mais en fait, demain, il y a Dubaï qui arrive. Mais s'ils veulent le payer 8, ils le payent 8. Ils s'en foutent. Ils vont chercher qui ils veulent, en fait. Alors que même s'ils donnent 1 million à tout le monde. Tu prends Larkin en 1 et tu mets backup Mike James. Voilà, là, c'est bien. Et Mike James, il a tout l'ego du monde, mais s'il a 18 millions par an, c'est bon. Il va être sur le banc. Hein. Par contre, c'est vrai qu'ils vont niquer le marché. Hein. Bah ouais. Bah, après, il va y avoir des clauses. Ça amène sur d'autres clauses, ça amène sur d'autres sujets qui sont beaucoup plus larges. Mais est-ce que du coup, il va pas y avoir aussi d'autres sponsors qui vont venir aider certaines équipes? Je sais pas. Ça amène aussi d'autres droits TV. Un salarié cap. Voilà, un salarié cap. Ouais. T'as une qualité de vie de fou. Bah ouais. Ah oui, non, mais c'est incroyable. En tout cas, là, sur YouTube, quand tu regardes les commentaires, ça plaît pas. Le fait d'imaginer Dubaï, ça plaît pas. Ouais, mais en vrai, les gars, je pense que les gars de YouTube, juste, ça plaît pas, mais ça va arriver. Juste, faut être prêt à ça. C'est peut-être pas l'année prochaine, ce sera peut-être dans 2 ou dans 3 ans, mais il va y avoir un club à Dubaï, c'est sûr. Ouais, ça viendra. C'est sûr. Ils font ça, moi, je me monte à... Je monte un dossier pour Dakar, tiens. Hop. Bah ouais, ça. Bien sûr. Allez, pourquoi pas en vrai? Pourquoi pas une ville africaine en vrai? Si tu mets Dubaï. Pourquoi pas, hein? Tu prends pas la thune, frère, t'es malade ou quoi? Non, mais. Dubaï, ils sont là, ils ont le flouze. Non, mais pas aujourd'hui, une ville africaine, ça a jamais l'argent de Dubaï. Faisons une ville Europe, on n'en parle plus. Ouais. Oui, de toute façon, à terme, c'est ce qui va peut-être finir par se passer. Moi, c'est juste ça qui m'ennuie. C'est le côté, on est toujours l'Euroleague, on est toujours. Théoriquement, la Coupe d'Europe. Et voilà. On a le Maccabi et on a les équipes turques. Désolé. Exactement. Voilà. C'est pas par contre, Arda, il était tranquille. Là, il vient de prendre une bonne. Oh, il vient de se réveiller. Il dormait. Je suis pas d'accord. Il était sous la sieste. Il est parti d'Istanbul et en Europe. Je suis gentil. Et la Russie, t'en penses quoi? C'est ce qu'il y a d'accord. La Russie, c'est l'Europe. Une partie. Une partie. Une fois que t'as dépassé allez, 15 ans, ça commence à être un peu chelou, j'avoue. Après, moi, je suis d'accord pour mettre 30 équipes, tu fais une conférence Est-Ouest, mais par contre, ça veut dire que les clubs français en championnat, tu les oublies, quoi. Non, mais sinon, tu fais l'Eurocup. Ouais, tu fais l'Eurocup. Tu mets 20 clubs, tu fais 2 divisions. Enfin, tu peux faire aussi un truc savoir, comme ça. Après, il y a des problèmes de calendrier sur les championnats locaux. Il y a aussi ça. Hein, ah oui, non, mais moi, je suis d'accord avec Antoine. Par contre, si tu fais une comment ça s'appelle, une Euroleague mode NBA, etc., les clubs français. C'est mort. Non, mais pas mode pas NBA. C'est impossible. Pas NBA, Eurocup. Oui, mais non, mais ce serait pareil. Tu le ferais pas. Si tu fais deux conférences de 15. Ça te rend pas non plus beaucoup plus de matchs, forcément.
Toi, tu parles de. Ouais, tu. Ah, d'accord, donc c'est pas vraiment une. Non, mais. Imaginons, tu fais deux conférences de 12. T'es à 24, t'as fait ton extension, t'as mis Dubaï, Paris, Londres, Dublin, Lisbonne, ce que tu veux. De 12, donc tu fais tes 11 matchs x 2 contre une conférence, t'es à 22 matchs. Tu fais un match contre chaque équipe de l'autre conférence, 12, t'es à 34 matchs. C'est exactement le même nombre de matchs qu'aujourd'hui. Ouais, alors mais, tu mais, fais ça, c'est un autre monde. Et l'Europe un peu chelou. Mais ça, c'est un autre monde, les gars. Ouais. C'est un autre monde. Ça, c'est en fait, c'est quand le... 30 équipes, c'est pas, c'est dans 10 ans. Non, moi, c'est, j'en suis à 24. C'est... Ouais, voilà. Mais 20, 24, là, on d'accord. Est à 18. Ouais, t'as mis 12 et 12. Ouais, ouais. Mais tu rajoutes tranquille. Paris, Paris, tranquille. Londres, déjà à 21. Ouais. Déjà à oui, mais là, ça veut dire que tu rajoutes sans s'en enlever. Parce que bah non, là, le projet, c'est Paris, si ça monte, certainement qu'il y a. Enfin, il y a un autre club qui dégage, quoi. Oui, mais moi je vois pas comment tu peux encore mettre des clubs dans l'Euroleague sans faire une vraie extension. Ah oui, certainement Paris, que ça, il va y en par avoir. Par exemple, une. Paris, si tu le mets, déjà, tu as un problème de 3 clubs français pour 18, ce qui est beaucoup. Si Monaco ouais. Est toujours. Enfin, il y a bien 4 clubs espagnols. Ouais. C'est vrai qu'on parle pas de Monaco, mais Monaco aussi, avec son projet. Monaco, c'est pas assuré. Hein. Monaco, c'est ouais, pas Monaco, assuré que ça reste longtemps. Monaco, ils assurent sportivement le truc. Faut changer de salle, Monaco. Après, ils assurent sportivement, faut... Et s'ils font le play-in et que ça va pas haut... Après, oubliez pas que l'ASVEL est lié à Monaco. Ouais, bien sûr. Ouais, en attention. Plus, oui. Donc l'année prochaine, il y a Mike James qui joue à l'ASVEL, en fait. Donc, Monaco n'a pas intérêt à se louper, parce que derrière, le mec qui décide de se barrer, enfin, bon, bref... Ah, bien sûr, bien sûr. Alors, sachant que Bologne, s'ils finissent devant Monaco, et Monaco n'est pas dans le top 8, top 6... Il y a moyen que ça dégage, hein, donc c'est un peu chaud pour Monaco en vrai. Hein, mais non, pourquoi, jamais de la vie, Monaco. Pourquoi ouais. Bologne, parce que Bologne, ils ont le même. Parce que Bologne, ils sont montés grâce à l'Eurocup comme Monaco. Voilà. Ah oui. Oui, enfin, en attendant. Ouais, les deux équipes sont montées par l'Eurocup avec ouais, Valence. Monaco a fini 3ème du Final Four l'année dernière. Oui, mais l'année dernière. Oui, mais d'accord. Mais donc, si tu prends. Si tu... Non, mais ça compte plus, d'accord. Mais si tu prends l'histoire, ouais. Bologne. Regarde, dans les règlements, c'est ça. Oui, si tu gagnes l'Euroleague, t'as une licence définitive ? Non, je crois non, pas. Non, je crois pas. Hein. Non. Non, non, non. Et comment on perd la licence ? Comment je Parce qu'en fait, les 12 licences, c'est des shareholders de l'Euroleague. C'est vraiment les, c'est les fondateurs, entre guillemets, de l'Euroleague. Bah, normalement, c'est des actionnaires, quoi. La licence actionnaire, voilà. C'est la licence permanente. Après, t'as des licences un peu mytho, comme pour l'ASVEL. Ou pour Berlin, là, tu peux la perdre, effectivement. Ouais. Ah oui, et d'ailleurs, les 1 million donnés, c'est que aux actionnaires. J'ai vu sur le chat, il y a un mec qui l'a mis. Ouais. Ouais, c'est Charles. Ah ouais, ouais bah, c'est que aux mais actionnaires. Monaco, ils sont en play-off. Si Monaco, ils sont en play-off, je crois qu'ils gardent leur place ouais. Oui, pour l'an prochain. Oh. Ouais, c'est ça. Parce qu'après, normalement, le vainqueur de l'Eurocup doit prendre une place. La place que n'avait pas prise Grande Canaria l'an dernier, ils avaient refusé, même en gagnant l'Eurocup. Ouais, ils prennent la place et le vainqueur de l'Eurocup, il prend la place. Qui c'est l'année dernière qui a sauté? Personne, parce que Grande Canaria n'a en fait, pas voulu. C'est Grande Canaria qui gagne, mais ils n'avaient pas le bif, tout qu'il faut pour faire tous les déplacements. Ah, okay. Donc ils sont restés. Mais sinon, c'était Valencia qui bougeait. D'accord. Et donc là, cette année, c'est pareil, c'est Valencia normalement. Bah, ça, on verra bien. Ça, on verra, d'accord. On verra. Valence, ils ont une invitation, hein, c'est ça Valence a une invitation, ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. Voilà. Donc. Bah, après, Paris, normalement, c'est même. Vu leur basket dégueulasse, franchement. Même finaliste et champion d'Eurocup qui doivent monter théoriquement. Sauf si l'équipe qui montait d'Eurocup l'année d'avant faisait les 8. Théoriquement, t'as ce roulement de 2. Ce qui foutrait la merde, c'est si un jour la situation politique russe se calme, enfin change. Ouais, retourne au CSKA. Derrière, t'as CSKA, quand même. Ouais. Bah ouais, t'as le CSKA, t'as. Ouais, le CSKA, c'est un actionnaire. Hein. On sait que c'est Zenith aussi. Ouais, Zenith aussi, exactement. Zénith ouais. Et Kazan aussi. Ouais, Kazan. Ouais, éventuellement ça. Kazan. Ouais, ouais, bah, c'était ouais. Les trois qui étaient en course au moment où. Ah, ça gagne. Bah, tu les as trouvés, Fred. Tu les as trouvés les trois pour faire 24. Ah, voilà, c'est bon. Bah, allez, ouais. Hop. Allez. Deux conférences de 12 envoyées. Allez, là. On a Joari, nous, qui nous dit là sur YouTube qu'il faudrait même carrément supprimer l'Eurocup en fait. Wow. Alors, moi, je suis pas d'accord. Non, moi, on a supprimé la BCL. Et fusionner les deux équipes là, les deux compétitions, comme ça t'as vraiment les meilleures équipes ensemble. Bah, ça arrivera jamais, c'est la guéguerre à l'île. Bah ouais, je sais, mais idéalement, faudrait les fusionner les deux et avoir une vraie compétition. C'est ça. Mais en fait, le problème, c'est que surtout, le niveau de différence de jeu entre la BCL et l'Eurocup, c'est pas assez fort. Donc, bah, grave. Un an, c'est la BCL qui est meilleure, l'autre année, c'est l'Eurocup, et grave. Donc, tu t'en sors pas. Faudrait qu'il y ait une vraie hiérarchie, quoi. Vous voulez fusionner après, et,
Après, la BCL, les équipes, là, enfin, à partir du top 16, ok, mais avant, il y a des équipes quand même. Ouais, bien sûr, bien sûr. Bah, tu vois, regarde bien. L'équipe, alors elle a été nulle hein, cette année en Eurocoupe. L'équipe de mon gars Cobbs, là, ils avaient une putain d'équipe hein, et ils ont fait 0-14, je crois, ou ils sont à 0-15. Là. C'est terrible, hein. Mais ils ont une belle équipe. Hein. Et ils sont catastrophiques. Donc, c'est pas foutu de citer le nom d'équipe, quoi. Hein ? C'est pas foutu de nous dire les noms de l'équipe. Mais si, c'est les derniers, c'est Ljubljana, je crois, c'est Devita Ljubljana. Ouais, ah c'est Ljubljana. Qui est à 0-15, ouais. Et je te dis, il y a Cobbs, ils ont un autre card qui est bon, ils avaient des putains de ricains, j'avais vu. Et les mecs, ils n'y arrivent pas, du coup, ça, ils sont partis, etc. Non, c'est chaud. Hein. Donc, tu as des équipes quand même qui n'ont pas de résultats en Eurocoupe et qui derrière, tu vois, pourraient être quand même en BCL, je pense. Ouais. Bah attends, mais en BCL, il y a Malaga. Malaga, ils sont deuxième d'Espagne, ils ont tapé le Real. Hein. Le Mans, a tapé Malaga, donc le Mans. Donc le Mans tape le Real, exactement. Donc le Mans tape le Real. Allez. Le Mans Euroleague. Bon, les amis, le chrono tourne et tout. Vu que ça va avancer gentiment, je voulais qu'on parle un petit peu du preview de la semaine sur les matchs qui nous attendent sur Squeak, notamment. Puisqu'on parlait d'Eurocup, d'Euroleague, etc. On va faire d'abord l'honneur aux dames, Fred, si tu veux bien, avec Basketland contre Villeneuve d'Ascq. Ah, je crois qu'il y a un truc particulier. Si jamais il y a une victoire de Villeneuve d'Ascq, il n'y a pas une histoire de qualif en phase finale, c'est ça ? D'abord, qu'est-ce que tu es mauvais, Ali ? Ça, c'est évidemment que c'est. Il parlait de toi quand il a dit aux dames. Moi, je pensais que tu le vannais de fou. Mais n'importe quoi, c'est parce que c'est notre expert aussi du basket féminin, Fred. Calmez-vous. Ah, d'accord, ok. En fait, tu suis pas les droits sur Squeak, Ali, en fait. Il suit, on l'a emmené à Bourges l'an dernier, il tremblait et tout, il savait plus où il était. Mais grave, je sais pas, j'étais impressionné. Oui, Villeneuve qui est qualifié pour les quarts de finale de l'Euroleague Women cette semaine. En cas de victoire face à Basketland, c'est à Mont-de-Marsan le match. Et dans le même temps, il faut qu'une des deux équipes qui est derrière, c'est-à-dire Polkovice ou la Virtus, s'incline. La Virtus qui joue chez le premier du groupe, dont le nom m'échappe évidemment, c'est Prague. Donc voilà, une victoire et ça devrait passer pour Villeneuve d'Ascq, qui en plus reçoit la semaine d'après Polkovice. Donc si jamais il y a des fêtes à Basketland, il y a une deuxième chance pour se qualifier la semaine d'après. Ok, top. Ouais. En Euroleague, on aura un match, je vais profiter parce qu'on a des auditeurs là avec nous, on a Arda justement, il va y avoir un petit Fenerbahçe Virtus Bologne, tu le sens comment ce match toi, Arda ? Mal. Pas très bien. Non, mais en vrai, les gars... attends, s'il y a un moment où il faut prendre Virtus Bologne, c'est maintenant. Shengelia joue pas. Shengelia joue pas et tout. Non, il y a un truc à faire, là. Ils n'ont pas S. Davis, ils n'ont pas Deschamps Pierre. Oui, d'accord, mais n'empêche, c'est maintenant qu'il faut taper Bologne. Ouais, bah j'espère, mais bon, je suis pas trop confiant. Ok, Arda, il est pas trop content. S'il y a une côte où faut aller, moi je pense que s'il y a une côte où faut y aller, c'est peut-être celle-ci. Hein. Fener, c'est pas. J'espère, parce que du coup, Wilbekin, il me régale, moi. Petit sec. Il régale trop, il met des shoots, c'est fou. Et t'as l'air d'Orsay, il régale aussi, lui. Bah, irrégulier, mais il régale. Il régale. On va avoir un Aris Thessalonique aussi contre Bourg-en-Bresse, avec la possibilité pour Bourg, Fred, si on dit pas de bêtises, que Bourg-en-Bresse gagne la première place du groupe, ce serait assuré ou pas ? Non, c'est pas assuré. Non, ils ont une victoire d'avance sur Grande Canaria, ils n'ont pas le point d'avérage, si je me souviens bien, donc ils sont obligés de gagner quasiment les trois. Si Grande Canaria fait un sans faute pour être premier du groupe assuré, par contre, ils peuvent aller chercher assez vite une des deux premières places qui les met directement en quart. Ça, ce serait archi énervé, sachant que Paris, de l'autre côté, a assuré la première place de son groupe. Ça, c'est plutôt cool. On aura aussi un Anadolu Efes Monaco. Ali, toi, tu le sens comment ce match pour Monaco ? C'est un gros match parce que je l'ai dit à Fred quand on les a commentés, Efes face au Barça, Efes sont de retour. Attention, parce que là, ils ont vraiment récupéré tout leur effectif. Ils ont même fait des changements mieux parce qu'ils ont échangé. Zizic, ils ont changé Zizic. Le Zizic n'est plus dans les fesses. Il est parti à Bologne. Non, Ali. Désolé. Il est parti à Bologne. Ils l'ont échangé avec Autourou qui est trop fort. Et du coup, Wilbekin est de retour. Elijah Brown est de retour. Bref, tout le monde est de retour.
Donc ça va être un gros Monaco. On va devoir faire un gros match pour passer. Mais bon, moi, je suis pour Monaco. Forcément, on veut que le représentant du basket français aille bien. Donc moi, je dis Monaco gagne à FS, mais ça va être très dur. Ok. Un petit prono, tiens, d'ailleurs, sur Anadolu FS Monaco. Plus 5 Monaco. Plus 5 Monaco, Fred. Plus 10 Anadolu. Oh, ah ouais, c'est... Je suis d'accord. Ah ouais, okay. Je suis d'accord. Ok, c'est un prono, attendez. Moi, je pense que ça va en prolongue. Hein. Ah, en prolongue. Ah ouais, ça game fort. Toi, Antoine. Ça va game fort. Moi, je dis plus 7 Anadolu, 27 points de Roddy B. Oh. Roddy B, 27 points. 27 points, c'est précis, vieux. Incroyable. Je vais lui proposer des dombrés que de porc, tu vas voir, il va mettre 32, vous n'allez rien comprendre. C'est trop bon. On aura aussi un Milan-Barcelone, est-ce que ça on le regarde, Milan-Barcelone? Ou est-ce que c'est déjà plié d'avance pour Barça? Bah déjà, pas Mirotic qui joue, c'est dommage. Parce qu'on aurait bah, Lyon, non, c'est pas dommage, il joue mieux sans lui. Oui, mais on aurait eu Mirotic de retour, c'est cool ça. Mirotic de retour à Barcelone, vas-y, on stream. Milan qui Max gagne avec 21 points de Messina. De quoi Max, tu sais pourquoi on regarde 21 points de Messina. Vas-y, dis-moi. parce que c'est Ali Traoré qui commente. Ah, ouais, bah voilà. Donc on est obligé de regarder. Ouais, hey, pourquoi tu me donnes Milan là? C'est bon, Squeak là. Moi, je mets le Barça, facile, plus 10. Facile, c'est avec moi, Ali, c'est avec moi. Calme-toi. Je pense même plus. Facile. Plus. Ouais, je pense plus. Que c'est plus que ça. Hein. Ah, il y a 17 points d'écart. Je ne sais pas. Et on a aussi... Qu'est-ce qu'on a d'autre aussi? Pardon? Partisans Allegris. Ah, moi aussi. Partisans. Intéressant. Ça, c'est bien, ça. Trinquieri, il a rapporté des choses super intéressantes dans le jeu, là, aux Allegris, donc... Il joue qui, Lasvel? Il joue le Bayern, Lasvel. Bayern, ouais. Ah, c'est match retour d'un... Le match aller était fou, hein. C'est prenable, hein. Il était fou, le match aller. En malentendu, oui, ça peut le faire, par contre, malentendu. Une petite perte de l'Asvel au Bayern serait sympa. Tiens, ça. Non, un prono sur l'Asvel, moi, ça m'intéresse. Enfin, ça m'intéresse. Ah, je vois bien une petite victoire de l'Asvel, tu vois. Okay, Francisco, ouais. il va être croisé. Parce qu'il faut toujours prendre les arrières adverses de l'Asvel. Plus 15 Bayern. Non, plus 2 Bayern. Franchement, ouais. Bah, vous êtes dur. Plus 15. Plus 15, franchement, je suis corda. Et Dubaï, il joue contre qui? Ouais. attends, Al-Ali de Saudi Arabia. Bah, franchement, je pense que sur toutes les semaines, je mettrais jamais Lasvel gagnant. Hein. Ah oui, mais à plus 15 quand même face au Bayern, les gars. Pour la fantasy league, écoutez-moi les gars, écoutez, non, il faut toujours prendre les meneurs et les arrières adverses qui jouent contre Lasvel. Au secours. Prenez Sylvain Francisco. Il va froisser du monde. Je confirme que les arrières et les meneurs contre l'Asvel, c'est pas trop difficile. Même avec l'Asvel, il a pris un carton. Asvel Salon, et tout, il est éclaté au sol, il a mis 30 points. Mais... Bon, et du coup, j'en ai mis que 20 et on a perdu. Mais c'est vrai qu'ils sont. Tu sais que les meneurs. Parce qu'en fait, ils sont en contain vachement bas avec Youth. Ben oui, et du coup, ils ne font pas lâcher la balle et il suffit que tu aies des mecs. Qui shootent un peu, quoi. Non, on a Jib aussi qui nous dit qu'il y aura un très joli Maccabi Tel Aviv contre le Pana. Ça c'est un bon match, ça aussi. Ah oui, c'est un bon match. Victoire du Pana facile. Victoire du Pana facile. Non, il y a Wade Baldwin, mec. Pas facile. On n'a pas parlé du Maccabi. On n'a pas parlé du Maccabi. Wade Baldwin, c'est un top 5 joueur. On peut en parler encore un peu. On a encore un peu de temps. Toi, t'en penses quoi du Maccabi? C'est une déception. Ben, moi, alors après, ils ont Brown qui est blessé, je crois, là. Mais tout c'est par rapport à ce qu'ils ont montré l'année dernière. Alors après, bon, voilà, il y a toutes les. Ouais. Ils n'ont pas de match à domicile. Ouais, les matchs à domicile, voilà, c'est jamais à domicile. Bien sûr. Ça, mais je sais que leur chez eux, c'est impossible de gagner. Ils n'ont pas leur cas. Après, moi, il y a un gars dans l'attitude que je déteste au Maccabi. C'est Wade Baldwin. Voilà, merci. Oui, bien sûr. Wade Baldwin. Il veut se prendre pour Mike James, mais mec, t'es pas Mike James. Non. 3000 fois plus fort que toi. Et en plus, il se la raconte pas. Il monte pas sur le terrain, lui, Baldwin, il a un regard, Ah là là, c'est le genre. Par contre, Baldwin, quand il est chaud, c'est un top 5 Euroleague. Hein. Ouais, c'est top 5 Euroleague. Ouais, c'est top 5 Euroleague, mais il faut arrêter de se toucher la nouille parce que lui, là, il sera. Non, c'est pas possible. Attends, top 5 garde Euroleague. Mais je mets Lorenzo Brown devant, Shane Larkin, Mike James. Il y a Kevin Hunter. Kevin Hunter, c'est tout. Campazzo, Hunter. Pas le Punter de cette saison. Hein. Punter, c'est le garde.
Mais même, comment il s'appelle le fils qui joue dans son... Paris Lee. Di Bartolomeo qui est devant lui. Di Bartolomeo, ah ouais, carrément. Ah ouais, non. Mais... Non, il est fort de ouf, il est talentueux, mais qu'est-ce qu'il est... Il est chiant. Ouais, mais je suis d'accord, je suis d'accord. Non, on aura aussi, pour finir cette belle semaine de Euroleague, on aura un très joli remake de la finale de l'année dernière, un Real Madrid Olympiakos. Bon, vu qu'il n'y a plus de pivot à l'Olympiakos, c'est Real... Ouais. Real facile ou pas? Bah après le Real, il n'y a pas Tavares encore. Il leur manque Tavares et Loul. Bon après Loul, il a pas un gros temps de jeu, mais si c'est serré, il y a le capitaine qui rentre sur le terrain. Mais non, je pense quand même là, vas-y, le Real, ils vont. Bah après part, Trusev, c'est où? C'est au Real. Ouais, c'est bon, Real. Ouais, c'est mort. Ouais, ça me paraît mort aussi. Il faut se reprendre aussi. Ouais, faut se reprendre un petit peu. Voilà, après on peut aussi parler un petit peu là, juste parce qu'il nous reste 5 minutes avant de remercier tout le monde. On parle pas de la Betclic Elite de dimanche, on parle pas de Monaco Chalon. Mais j'allais justement, mais purée, voilà. Moi je voulais le prono d'Antoine, Monaco Chalon, Antoine. Plus de réseau. Allô. Allô, je vous appelle. Non mais vous allez peut-être être la première équipe à faire tomber Monaco à la maison. Je ne comprends plus, Antoine. Écoute, un gros match à FS. Ils arriveront dans un déplacement, ils seront éclatés, ils seront sortis les gars, toute la soirée avant. C'est le moment. On ne sait jamais. Vas-y, sur un marathon, tu fonces, ça peut marcher. Les gars, ils sont sur le parquet, c'est le moment. Et pourquoi pas? Et tu sais quoi, je vais ramener une de mes boissons, la Cléricain aime bien, je vais leur donner toute la matinée et ils vont adorer. Non, mais nous, on a d'autres chats à fouetter cette semaine déjà, il va falloir qu'on se remette à l'endroit parce que tu vois, perdre Bourg, ok, mais à domicile de 27, non, c'est pas acceptable, tu vois, faut qu'on tous qu'on soit meilleurs. Ouais. Et donc, déjà, nous, se focaliser sur nous. Et derrière, tu sais, c'est des matchs qui peuvent te relancer aussi. Tu fais, regarde, Le Mans, ils ont fait un super match, ils peuvent avoir des rebonds, pas l'avoir pris, mais tu sais jamais, t'es dans un bon jour. Nous, on sait de quoi on dépend beaucoup, mais après, c'est justement l'occasion de remettre un peu de liant dans l'équipe et de. Des cuvées, c'est le moment. Pourquoi pas. Non, mais c'est vrai, tu vois. On verra. Écoute, on verra. Ça se trouve, il y a quelque chose qui se passera. Puis si ça se passe pas, ben ça se passe pas. C'est pas grave. Bon, on a Jib qui nous dit Antoine Eto'o meilleur que Kemba Walker. Bah, cette saison en Betclic Elite, il n'y a pas débat. Hein. Je cours plus vite. On peut faire un bip bip. Je cours plus vite. Après, le reste. Non, mais. Ok, non, et puis après, il y aura aussi quand même des matchs pour le maintien qui sont assez, assez chauds. Il va y avoir un petit Blois-Limoges, ça va être, ça va être tendu. Okay. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? Gravelines-Dijon aussi. Oh, ça, c'est ma France. Gravelines-Dijon, ça va être énorme. Retour de Moniam, là. Ça, c'est bon. Ça va être top. Ah oui, ça va être sympa. Antoine, finir. Ouais. C'est samedi à 21h, hein, le Gravelines-Dijon. À Dunkerque. 16h, il est à 21h à Dunkerque, ouais. Et le Blois-Limoges Blois-Limoges, il est aussi intéressant pour Blois parce que le match d'après, c'est Blois contre Roanne. Donc là, ça vaut très très cher pour Blois, les deux matchs qui arrivent. Ça marche. Nancy-Saint-Quentin. Ouais, Nancy-Saint-Quentin aussi, ça c'est pour le top 8, ça. Ouais. Ça peut être cool aussi. Non, il y a des bons trucs. Franchement, tu m'aurais dit, alors tout en sachant qu'ils ont un super coach à Saint-Quentin, mais tu m'aurais dit, on parle de top 8 Saint-Quentin, je t'aurais dit au début de l'année. Surtout pour une équipe. Bien sûr. Bon, en même temps, nous, on a été mis 18e. C'est la meilleure défense, de Betclic. Donc, avec la défense, tu peux voyager partout. Exactement. Non, franchement, ce qu'ils font, c'est vraiment bien. Ben voilà, ce sera le mot de la fin, les amis. On va s'arrêter là pour cette première parce qu'il est bientôt 23h, donc il faut quand même qu'on remercie. Dernière question sur le chat Discord, Max. Une question pour Antoine. Avant qu'il s'en aille, est-ce qu'il compte retourner au MSB un jour si l'occasion se présente, en incluant l'après-carrière? Le 10 février, c'est le retour au MSB. Très bonne réponse. Bravo. Voilà, venez. Bravo. Il est fort, hein. Pour le reste, tant que ce coach-là est en place, ce ne sera pas possible. Et puis après carrière, on verra bien. Franchement, pour l'instant, je ne veux même pas y penser après carrière parce que j'en ai encore un petit peu dans le. Ouais, t'as quel âge, toi? 36, je vais avoir. T'es vieux, vas-y, dégage, là, fais ton après carrière. Bah, c'est ce que j'ai dit. J'ai dit, moi, je veux bien dégager, mais que les petits viennent me pousser dehors. Dans ce cas-là, venez. Ah, ça, c'est bon. Ça, j'aime cette mentalité. Exactement.
La vieille carne, ça tient. T'avais une question aussi en tout début de live. Oui. C'était Antoine au JO. Oui, voilà, bah, c'est ça qui me, je vais te dire, c'est ça qui maintient aussi. Bon, bah écoute, malheureusement, ça va pas dépendre, ça va beaucoup dépendre de la team Paris que je soutiens. D'ailleurs, je leur fais un big up de ouf. Je sais pas s'ils écoutent, mais franchement, avec leur saison de ouf et tout, ils m'ont fait kiffer. Et ça va dépendre beaucoup d'eux parce que malheureusement, les TQO, les deux TQO sont pendant notre fin de saison. Ouais. Donc, sauf s'il maintient à deux ou trois journées de la fin et que je peux me rendre dispo, s'ils ont besoin de moi et si je suis appelé, ça va être eux. Et puis derrière, après, tu as toute une prépa l'été. Et ça, bah, moi, je suis voilà, y a aucun problème, je sacrifie mon été pour préparer les JO s'il faut le faire. Et bah, parfait. Voilà. Le mot de la fin. Mais merci beaucoup, Antoine, en tout cas, d'avoir été avec nous pour cette première. On s'est bien marré quand même. Hein. Tu reviens quand tu veux, pour le coup, pour parler de raconter des conneries, débattre et tout. Non, on s'est bien marré. On va remercier aussi tous ceux qui sont passés sur le chat, le Discord, donc Arda, Al Pacino et Damien, etc. Puis tous ceux qui ont écrit dans Il paraît qu'il y avait des petits blagues ou quoi. Ouais, bon, évidemment qu'on va bosser dessus. Bosser et, tout ça. Une première. On n'est pas ESPN, mais on va bosser là-dessus. On va bosser là-dessus. Exactement. Non. Et puis on vous donne rendez-vous de toute façon avec la même équipe. Hein. Ce sera toi, Fred, la semaine prochaine ou c'est Nils? Non, c'est Nils. Bon, ce sera Nils. Exactement. On fera rentrer Nils pour le roster et puis on sera toujours donc avec. J'ai mis mes points cette semaine. J'ai fait comme Ali. Je suis rentré. J'ai mis les points. Je vais sur le bord, voilà. Respirer un coup. Exactement, t'as mis des gros points, Fredo. Exactement. Bon, il y aura toujours Yohan, il y aura toujours Ali, bien sûr. Pour les invités, on vous les teasera. La rediff de l'émission, elle sera disponible sur YouTube. Je crois qu'on a Michael Jordan dans deux semaines. Tu t'exclus. Tu t'exclus, les gars. Voilà. Soyez bien là. Non mais voilà, donc continuez à suivre hein, sur les réseaux sociaux, etc. Voilà, n'hésitez pas, comme on vous l'a dit, venez, on mange pas, hein, on est juste là pour se sauf marrer. Sauf Ali. Pour, ouais, non, il a toujours pas mangé, Ali. Qu'est-ce qu'il mange? Souvent j'ai graillé, c'est bon les gars. Mais voilà, venez, n'hésitez pas, passez une tête, passez discuter et tout. Donc on remercie tous ceux qui sont déjà passés. On vous retrouvera la semaine prochaine. D'ici là, bah, voilà, passez une bonne soirée, portez-vous bien. Et bye bye. Ouais, bonne soirée. Salut Antoine, salut à tous.